Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Libre Antenne en ce jeudi 28 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée pour tous ceux qui sont en vacances. J'espère que vos vacances se passent bien, que vous profitez de toutes les belles choses de la Martinique. Ce soir, je suis bien entourée. La table est un petit peu en effervescence. C'est vrai que c'est normal, il y a beaucoup de filles. Qui est pas ça? Ça commence. Alors, ce soir, autour de la table, Sylvia. Bonsoir, Sylvia. Bonsoir, Sylvia. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Souriante, oui. Magnifique, belle. Tu vois, il n'y a pas que Mano qui fait des compliments. C'est ça. Elle est radieuse. Merci. Alors, celle que j'adore parce que j'aime son prénom, j'adore toucher cette Ingrid. Comment ça va, Mano? Bonsoir, ça va bien, Carissa, et toi-même? Ça va, tu m'as manqué. Ah, mais je suis là, t'inquiète. Ah, je suis contente de te voir là, ce soir. Merci, merci beaucoup. C'est surtout qu'on me demande tellement pour toi que... Ben c'est bien. Oui. J'espère que tu donnes de mes nouvelles. Tout à fait. Je donne ton adresse et le nom de ta boutique, idyl.fr. Ah ben c'est super. Merci, Carissa. Comme elle est chou. Et alors, elle, c'est une star. Star des réseaux sociaux. Elle parle de plein de choses à la fois. Elle a bien promotionné notre dernière émission. On a fait le buzz grâce à elle. Donc, Jessica Chocolat. Bonsoir, Carissa. C'est chocolat tout court, chocolat praliné. Comme tu... Praliné, c'est ouais. Normalement, c'est mes petits chocolats vanille praliné, mais c'est comme tu veux. Sur Jessica, cas, chocolat, Jessica, chocolat. En tout cas, c'est sucré. Oui. Ça va? Il a l'air fasciné. Tout à fait. Et celui qu'on ne présente presque plus, docteur Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Non, j'étais occupé à vous regarder, mais bon, On m'a fait sursauter, oui. Ah bon? Juste en me rappelant à l'ordre que j'étais déjà à l'antenne. Mm-hmm. Oui, tout à fait, tu es bonsoir. Déjà à l'antenne. Bonsoir, ça va? Ça va. Donc ce soir, c'est docteur Daniel, Dani, Danou. Pour le décime, ce serait Nounou, mais bon, je ne sais pas comment vous me considérez autour de la table. Mm-hmm. Mais... dans votre imaginaire, ça peut aussi avoir une autre connotation. Oh là là, il commence en fait. Alors ce soir, on avait décidé de faire l'acte 2 dans notre émission d'il y a 15 jours. Mm-hmm. Donc bien sûr, ça tourne autour des vacances. Et là, on a rajouté un petit peu le côté tabou, parce que les tabous sautent durant les vacances. Donc la présence d'Ingrid, elle va nous proposer tous ses produits, qui, ben, on peut dire, rencontre un succès depuis des années, à savoir les sex toys. Tu as une boutique, on ne va pas se le cacher, qui fonctionne bien. Il y a de la demande. Tout à fait. Et c'est vrai que je vais commencer tout de suite à te poser une question avant que je n'oublie, Ingrid. Dans quelle partie de l'année où tu fais vraiment ton meilleur chiffre d'affaires? Alors, c'est une bonne question. Et en fait, il n'y a pas... forcément, enfin, une date comme ça, ça peut être aujourd'hui, c'est super, demain, moi viens. Alors, c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est quand même une date qui marque parce qu'il y a toujours les cadeaux, tout ça, c'est vrai. Après, on va dire la fin de l'année. Oui. Aussi, parce qu'il y a les cadeaux encore, donc voilà. C'est d'autres dates, éventuellement, qui fonctionnent bien. Mais sachant que tout le long de l'année, voilà, ça, on avait souvent d'activation. Si je peux me permettre de compléter, nous ne sommes pas dans un cadre de promotion de boutique. Hein. Je vais poser la question différemment. À quel moment elle donne le plus de bonheur? Distribue le plus de bonheur? Parce que si on achète, c'est qu'on paye. Mais à la limite, un peu pour masquer un peu le côté commercial de cette occupation, de cette entreprise, c'est m'entreprendre. Pas parce que c'est une boutique avec des entrées, des sorties, de l'argent, mais le terme entreprendre accompagne les couples. Parce que moi, j'utilise aussi cet accompagnement. C'est un outil incontournable pour moi lors des consultations. Et je considère qu'aujourd'hui, tout en étant autour d'une table, on devrait parler des tabous, ça n'est plus tabou, une telle chose. Mmh. Et qui se respecte, de la mamie à la plus jeune, devrait avoir, je dirais, ses outils. Je ne dis pas ses ustensiles, je dirais ça dépoétise un tant soit peu ces choses. Colorer autant que faire se peut. Au antenne, nous avons déjà
discuter de certains objets. Et moi, dans mon côté technique, attire votre attention que s'il faut aller chercher loin avec une pince, autant ne pas l'utiliser autrement que sur le bureau comme objet évocateur de l'ambiance. Entre pas chez un dentiste. Si vous voyez un Goldmiché, ça ne peut être qu'un gynécologue, un urologue. Si vous voyez un plug, ce n'est pas forcément un gastro-entérologue, mais en fait, il peut être amené à aller un peu pêche en pêche sous-marine, aller chercher ce plug-là, le plug anal. Mais c'est super bien que vous avez fait cette commentaire parce que justement, il y a un mot que vous avez dit, c'est que vous travaillez et que vous accompagnez votre patient. Et c'est vraiment un de mes points forts. C'est-à-dire que moi, bien sûr, je suis là pour vendre, mais surtout, je suis là aussi pour conseiller la personne parce que je ne peux pas vendre pour vendre. Il faudrait que la personne elle soit aussi conseillée. Parfois, il y a des clients qui viennent, ils demandent quelque chose. Et moi, avant de faire cette vente, je lui demande déjà c'est pourquoi. Et je m'intéresse déjà à sa vie, voilà, à tout ça. Parce que sinon, ça ne sert à rien de vendre un article qu'au final, la personne va être frustrée, en fait. Parce que ça serait un mauvais choix. Donc, d'un coup, un de mes points forts, c'est justement ça. Et en plus de ça, nous avons aussi le site en ligne, mais nous avons aussi un chat en ligne pour justement... Un chat. Oui. Ah, parce que c'est un chat. Docteur, je sais qu'il y a un accent. C'est une chat en ligne. Je veux bien. Non, mais c'est extraordinaire parce que... Pour terminer cet mot-là, nous avons déjà... Voilà, donc, non seulement nous avons donc, dans le physique... Donc, on accompagne les clients, mais aussi, je ne veux pas répéter le mot que vous attendez que je dise, nous avons ça aussi dans le site en ligne, on s'intéresse aussi aux questions que les clients me posent. Alors, on ne va pas vous interroger pour notre niveau d'expertise personnelle, mm-hmm. à la limite, ça joue aussi. Si vous n'avez pas d'expérience de ces choses-là, vous ne pouvez pas en parler. Du moins, chaque fois que vous êtes venu, vous nous avez laissé quelques... pas échantillon, puisque ce n'est pas à retourner contre remboursement. C'est utilisé, et on est encore attaché à votre présence autour de la table, et dans ces conditions, ce niveau d'expertise, je suis persuadé que accompagne, même si de temps en temps, il y a un lapsus, mais très évocateur, entre chat et chat, c'est vrai que... Il y a une différence. Voilà. Qui est-ce qui gère ce chat? Ce chat. qui gère ce chat? Parce qu'il faut quand même avoir... justement, un niveau d'expérience, ne pas avoir de tabou pour parler de tout avec la personne qui est en face, qu'on ne voit pas, mm-hmm. mais qui va se livrer justement pour avoir des conseils. Qui gère ça? Parce que ça peut être une démarche d'abord téléphonique. Hein. Mm-hmm. Quelqu'un appelle, vous dites, est-ce que j'ai ça, je souffre de ça, de ça. Bon, alors, je peux être mm-hmm. en visio, hein, mm-hmm. juste à ce moment-là pour vous accompagner. Bien ça sûr. Peut être marrant. Mm-hmm. Peut-être que ce sera un projet futur, puisque nous l'avions déjà évoqué, mm-hmm. mais ça ne s'est pas mis en place. Jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, j'ai une cliente qui est passée, donc, ça ne fait pas longtemps, mm-hmm. à qui j'ai parlé de vous, parce que forcément, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas non plus sexologue. Donc, quand il y a des questions ou bien des commentaires que les clientes me font, je dis, tiens, voilà. Donc, justement, ils nous regardent ce soir. Je vais vous poser une question. Vous me l'envoyez pour l'expertise. Pour l'expertise. Ouais. Donc, ça demande, d'ailleurs, ça demande beaucoup, parce qu'il ne s'agit pas d'acheter un instrument. Il faut simplement savoir dans quel cadre. Mmh. Et comme on parle de tabou pour recentrer le sujet, je vais au moins planter la définition. C'est un certain nombre de comportements que l'on interdit parce que dangereux par moment, ou tout simplement interdit pour un groupe d'une certaine communauté, surtout sous-tendu par les convenances sociales, mmh. morales, culturelles, j'ajoute religieux en dernier, mmh, mais oui. Il fait partie de l'ensemble. Parce que même lorsque nous voyons les gens, les couples, parce que le gynécologue, c'est au médecin de l'homme, parce que par extension, le médecin du couple, on voit les dames et de plus en plus les messieurs. Grâce à cette émission et au charme que vous dégagez. Tout à l'heure, on entendra ceux qui évoquent Carissa, tout à l'heure, Sylvia, et puis probablement Ingrid. Sera au hit parade un jour, de plus en plus, au moins dans le tiercé. Mais c'est vrai que c'est plus tabou d'avoir ces choses.
On en parle de plus en plus. Oui, tout à fait. Je pense que vous organisez, je dirais, en des places connues, suite ouvert de François, mais il n'y a aucune dépendance par rapport à mon cabinet. Quand vous êtes à la Palou. Donc je pense que les gens savent que ce n'est pas... Il est au courant des choses. Tout à fait. Mais oui, parce que je reçois régulièrement ces invitations, mais ça n'est juste qu'une information. Je ne suis pas pour autant invité. Mais c'est vrai, je pense qu'il y a du monde. Parce que quand je passe, je vois qu'il y a un embouteillage. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a Magnum Band en soirée ni en événementiel de jour. Mais il y a une grille et je suis persuadé que les gens se déplacent parce que ça fait du bien. Et ça leur fait du bien. Merci beaucoup, docteur. Docteur Daniel, merci. Alors, en fin de compte, le décor a été très vite planté. Merci beaucoup, Daniel. Alors, quand vous êtes plus nombreux autour de la table, j'aimerais bien savoir ce que vous avez comme tabou que vous exorcisez en période de vacances, parce que c'était bien là le sujet. Qu'est-ce que vous avez que vous respectez dans votre société? Je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais en fait, à la limite, comme vous êtes tout le temps ensemble, je suis même pensé que vous êtes de la même pensée ou du même courant, sans pour autant être de la même culture, je pense à Ingrid, et ni non plus de la même formation. Je pense à Sylvia, mais je n'en parle pas de Clarissa, parce qu'elle est de tout ça depuis le temps que nous travaillons ensemble. Bravo. Et Chocolat, que j'ai eu l'honneur de... j'ai eu l'honneur d'avoir été invité à l'une de ses émissions pour comprendre un peu la place qu'elle prend sur les tweets. Alors, qu'est-ce que vous avez comme tabou que vous... dont vous vous débarrassez la veille des vacances? Alors, je pense qu'on va commencer par Jessica, parce que Jessica... Elle est trop... Jessica, tu peux dire que c'est une copine, que c'est la copine de la copine de ta copine. Donc, en fait, tout simplement parce que Jessica, elle est très présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Donc, les stories de Chocolat. Et c'est vrai qu'elle parle... Alors, aussi bien, elle fait découvrir de bonnes choses. Et à la Martinique, c'est elle qui m'a fait découvrir une boutique qui vend des produits de Sainte-Lucie. Et donc, plein de bonnes choses. Et en plus, elle le fait tellement bien. Et derrière ça, c'est vrai qu'elle va vers les gens. Oui, les gens répondent. Les gens répondent ouvertement. Ouais. Elle prend la pause. Et en plus de ça, elle est à côté de stars. Donc, derrière ça, Jessica peut nous dire ce que pensent tous ces gens, les copines de ses copines. Ont-elles des tabous? Est-ce que les tabous... On a parlé ce matin. On a parlé ce matin, puisque j'ai proposé à mes petits chocolats vanille pralinés, tout simplement, de répondre à la question pour vous, pour échanger avec vous ce soir. Ouais. Et effectivement, tout le monde, ils ont tous dit qu'ils n'ont plus de tabous. Et que concernant la question, est-ce qu'il y a des tabous? Est-ce que les tabous disparaissent pendant les vacances? Ils estiment que non, parce que vous avez toute l'année pour voir si vous avez des tabous ou pas. Et que lorsque les tabous partent, la plupart du temps, c'est sur un instant de festivité. Lorsqu'il y a de l'amusement, de l'alcool, l'enjaillement. Par exemple, si une femme, elle était réticente, par exemple, on va dire un truc anodin, par exemple, elle n'a jamais embrassé une femme, comme par hasard, elle se retrouve dans un endroit où elle fait la fête, elle est détendue, elle a déjà bu, elle est bien, et en fait, là, elle peut se laisser aller et elle est passée au-delà de son tabou. Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit les vacances en soi qui permettent à une personne de sortir de ses tabous. Je pense que c'est à n'importe quel moment de l'année. Alors, l'intimité féminine, je vous rassure, a toujours existé. C'est déjà la maman avec sa fille, la fille avec sa poupée, et tout le reste. Mais de plus en plus, la jette masculine se retrouve de plus en plus dans une intimité où cette homosexualité qui est aujourd'hui au grand jour, ce n'est plus une question de genre, qui n'est pas un choix, mais un déterminisme à la base, on est avec la possibilité de s'exprimer. Bon, le jour où on fera cette démonstration, je vous dirai autour d'une table comment regarder quoi pour savoir si pas il y a tendance, mais est-ce qu'il y a probablement une suspicion
De probabilité. De probabilité à partir du départ même de la conception. Mmh. On ne choisit pas. On est, et ce sont les circonstances qui peuvent permettre de l'exprimer. Il suffit de lire le chromosome X d'Elisabeth Badinter qui en parle, et pourtant c'est écrit avant que Balthazar ait écrit tout simplement la biologie de l'homosexualité, mm-hmm, pour considérer que l'hétérosexualité, c'est-à-dire l'histoire homme-femme, serait carrément peut-être presque pathologique. Parce que a priori, il y a dans la nature ces choses qui nous côtoient. Qu'est-ce que tu en penses, Sylda? Par rapport au tabou? Oui. Les tabous ont sauté depuis pas mal d'années, hein, avec la télévision déjà. Avant, on montrait des films un peu soft, érotiques. Et après, c'est sous passé, les draps. Voilà, c'est passé à des choses beaucoup plus crues. Et ça passe maintenant à des heures... 20 heures. Oui, de grand public. Des fois, je me dis, mais où est le contrôle? Là, je pense que les tabous ont complètement sauté. Tu as les clips vidéo aussi, où tu as des gens qui stimulent l'acte sexuel. Donc, les enfants devant ça, ils le voient à l'âge où ils ne devraient pas le voir. Donc, ça commence déjà à créer dans l'imaginaire des choses. D'où une certaine recherche, comme Daniel disait, de sa sexualité. Vers l'adolescence, on ne sait plus, on ne sait pas, on se questionne, on se demande est-ce que j'aime les garçons, est-ce que j'aime les filles, j'aime les deux finalement. Et puis il y a toute la question du genre qui revient maintenant. Ça met beaucoup de points d'interrogation sur les échanges. Et puis pour les couples qui sont déjà établis, ben, ils se rendent compte qu'au fur et à mesure qu'ils se connaissent, les tabous sautent. On est plus timide, on allume la lumière, on fait ça l'après-midi. on n'a plus peur de se dévoiler. Le mot tabou, c'est un vaste prétexte. Parce qu'il y en a qui. Il y en a, femmes ou hommes, mm-hmm, ne savent pas parce qu'on ne leur a pas enseigné. Oui. Bien que la sexualité ne s'enseigne pas, ça se vit. Mm-hmm. Mais il y a une base. Et mm-hmm, cette base, c'est sûr qu'on la commence beaucoup plus tôt maintenant. Mm-hmm. J'ai fait des cours de sexualité ou de sexologie au cours moyen 1. Et en posant aux gamins des questions, c'est pas du tout avancé, parce qu'ils le vivent déjà. Mm-hmm. Et les réponses étaient au prorata des questions. Bon, pas à ma surprise, mm-hmm, mais à la surprise du professeur, qui était femme déjà, d'ailleurs, et qui ne savait pas qu'il y avait déjà, dans ses cerveaux, mm-hmm, et derrière ses bouches innocentes, qu'il y avait déjà cette incohérence que l'on peut considérer de plus en plus comme étant, tout simplement la vérité sort de la bouche des enfants. Alors on rigole, c'est très particulier parce qu'en tant qu'adulte, on veut se départir de cette incohérence pour rester dans un monde qui est tellement asphyxié, tellement aseptisé, tellement, je dirais, orienté pour que tout le monde soit dans les standards. Alors on est un peu gêné. Et cette incohérence, on passe notre temps, toute notre vie, à vouloir rendre cohérent ce qui est incohérent. Vous voyez, donc c'est le yang et le yin de la vie humaine. C'est-à-dire, d'un côté, cette incohérence, c'est comme un film. Nous vivons un film, c'est simplement un scénario cinématographique. S'il n'y avait pas d'incohérence, le film n'aurait pas d'intérêt. Par contre, s'il n'y a pas de cohérence à la fin du film, ce n'était pas la peine de le faire. Donc on vit dans cette réalité tous les jours. Et donc, quand on parle de tabou, et ça, j'avais envie de voir tourner en rond, puisque très souvent, on va parler de Godemiché, la table en est pleine. Voilà, on est complètement pleine de modèles, et chaque élément, je pourrais les classer, je dirais, par ordre chronologique, parce qu'il ne faut pas, à la limite, commencer par n'importe quoi. Mais en plus, ce que, au-delà de cette histoire d'ustensiles, d'outils plutôt, d'accompagnement, il y a la fameuse histoire du couple où des gens tabous être dans un rapport de couple, de fidélité, on se demande en quoi les vacances viennent foutre leur nez pour créer du bordel d'un côté ou de l'autre, où les gens ont envie de s'égayer, de partir sur leurs vacances, probablement dans cette incohérence qui est d'abord une part de lumineux, qui est tout simplement son moi profond qui s'exprime. Parce que ça arrange tout le monde. Aujourd'hui,
l'amour est devenu le prétexte presque religieux en le disant. J'aime, donc je suis à respecter. Je suis aimé, je dois être respecté. Le mariage veut un petit peu corroborer tout ça. Le problème, c'est un enfermement. Alors, ne prenez pas de notes. Vous pensez que je fais la promotion ni du célibat, ni non plus de vous imposer d'aller un peu jouer dans le pré d'à côté pour savoir si l'herbe est toujours plus grasse. Mais on a envie par moment de sortir et cette incohérence. Et là, justement, pour pouvoir exprimer combien c'est beau notre fantaisie. Mais non pas obligé, comme nous l'avons évoqué la dernière fois, à travers les fantasmes, obligé de le réaliser. Mais si l'individu se fait matraquer intérieurement entre son ego, son moi, ce qui se dit, les standards, comment voulez-vous qu'il y ait une certaine liberté, une certaine joie de vivre? Or, la vie humaine est tout simplement sous-tendue par le côté exaltant, ou tout à fait l'inverse, de la cohérence. Si c'est cohérent, ben, il n'y a plus éventuellement à être bien. C'est pour ça que lorsqu'on est deux, ben, il n'y a pas de couple heureux. Hein. Il y a des couples qui s'emmerdent deux fois moins. Alors, on va voir du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle pour l'émission. Oui, on vous écoute. Alors, je voulais, comme j'ai pris l'émission, j'aurais bien aimé savoir le but de l'émission, c'était quoi exactement au départ? Alors, nous parlons des tabous. Les tabous sautent-ils en période de vacances? Est-ce que c'est parce que les tabous, est-ce que c'est parce que c'est les vacances qu'on fait, on décide, on se lâche? Non, mais bon, si on se lâche, c'est qu'on n'a pas l'habitude de se lâcher. N'est-ce pas? Non, mais c'est normal. Vous étiez jeune. Lorsqu'on a surtout la vie d'entre 16 ans jusqu'à 25 ans, pendant les vacances, c'est tout à fait normal qu'on se lâche. Mais à un certain âge quand même, il y a un certain respect qu'il faut avoir pour son corps. Bon, chacun voit la porte à sa maison, vous voyez. Mais la sexualité, ça va toujours exister pendant les vacances. Et il y en aura, regardez, la semaine prochaine, il y aura le tour d'ailleurs, vous allez voir. Vous allez voir comment vous allez voir la sexualité. Des femmes toutes nues, habillées en skin, c'est... Ça, tout ça, c'est une tentation. Mm-hmm. Vous voyez. Mais je vous dis sincèrement qu'il faut avoir un certain respect quand même. Qu'est-ce que vous entendez justement par respect de son corps, monsieur? Le respect de son corps, c'est pas parce que bon, on s'est connu ce soir, et parce que nous sommes dans un after, qu'on passe à l'action tout de suite. Ça peut arriver, hein? Ça arrive. Hein? D'accord. Parce que le corps humain est tellement sensible. Mais quand même. Alors, excusez-moi. Il faut que ça soit trop rapide. Excusez-moi. D'accord. Comment il s'appelle? Vous appelez comment? Ronaldo, vous avez parlé d'after. Donc, si ça arrive que les deux personnes se sont lâchées, à votre avis, ça signifie que la personne s'est manquée de respect? Non, c'est pas ce manque de respect. Parce que c'est pas quelque chose de manquer de respect. Parce que la chair humaine est sensible. Vous savez ça? C'est une maîtrise du cerveau qu'il faut avoir. Mais ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver. Ça peut arriver que vous connaissez quelqu'un ce soir. Vous allez peut-être. Vous n'allez peut-être pas faire l'amour, mais vous allez baiser. Vous comprenez? Oui, on comprend. Oui, oui. On comprend. Si c'est... un amour et baiser, c'est différent. Si quoi? Si c'est un amour et baiser. Si c'est un amour et baiser, c'est différent. Faire l'amour et baiser. Pour moi, vous la connaissez ce soir. Bon, on va à l'action. Bon, on ne sont pas obligés de faire les préliminaires, vous voyez. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que vous essayez de vous convaincre vous-même. Je vous connais ce soir. Hein. Uh-huh. De l'after, un ouais. Après. Je vous connais ce soir. Bon, on a dansé, on a discuté. Bon, le courant est passé, pap. Ouais. Et puis, bon, je constate que, bon, on peut aller un peu plus loin. Bon,
ça arrive. Alors, vous pensez que je vais commencer, je ne sais pas moi, à vous lécher la chatte Non, je ne fais pas ça, je ne vous connais pas. Il est un peu tôt, hein, monsieur, pour certains oui, mois. Oui, oui. Oui. Non, mais excusez-moi de l'expression. Mais ça, c'est un tabou à dépasser aussi. Hein. Je ne vais pas aller coucher dans le soir. Les directions à l'amour, c'est différent. Alors, donc, vous êtes en train de me dire que faire l'amour le premier soir est un manque de respect. Et tabou chez lui. Ou chez, en tout cas, c'est dans vos croyances à vous. Non, mais. Mm-hmm. Ah. Et jusqu'à Harry, ça. Vous savez pourquoi les femmes disent que les hommes ne sont pas bons maintenant? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans le temps, votre mère ne trouvait pas votre père. Qui a dit ça? Vous ne pouvez pas connaître autre chose. Ouais. Mais est-ce que c'est pas vrai? Mais vous savez que dans le... Il y a un sexologue sur le plateau, là. Non, il n'est pas sexologue, il est gynécologue. Il est gynécologue. Non, mais est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il a demandé? Maintenant, c'est pas pour... C'est pas... Je n'ai plus à la femme, hein. Comment? Non, mais je suis resté tout mieux parce que j'attends un peu votre discours. Ouais. Donc, mais c'est ça que j'avais à dire. D'accord. Ouais. On prend note, Ronald. Vous appelez d'où, Ronald? J'appelle d'où? J'appelle oui. de fois. D'accord. Bon, vous êtes très souriant, Ronald. Hein, c'est ça. En fait, mais il faut trouver. Hein. Vous savez, je voulais dire une parenthèse. Quand vous parlez de l'amour, je voulais dire. Lorsque vous vous en couple avec quelqu'un, homme ou femme, je te dis des fois, vous dites que les gens se cachent sur un truc, ça. Moi, je vous dis, quand vous vivez avec quelqu'un, il n'y a pas question de ça. Vous allez aux toilettes, elle est là, vous êtes debout là, ça ne fait rien. Normalement, il doit avoir une liberté. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Martinique, ils n'ont pas discuté de ça. Dès que vous discutez de sexe, c'est que vous êtes un malade. C'est pas vrai. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens en Martinique, il faut qu'ils apprennent à connaître leur corps. J'avais ça à dire. Beaucoup de gens. Très bien. Oui. Et puis, je vous souhaite une bonne émission et c'est quelque chose de bien. Merci. C'est super, Ronald. Bon. Continuez comme ça. Passez une belle soirée. Alors, bonne soirée à tous. Merci. À vous. Merci. Oui, merci beaucoup. Si. C'est vrai qu'il a raison quelque part. Hein. Alors, la sexualité, on a du monde de toujours. Allô, bonsoir. Il n'a pas encore accroché. Non, il n'a pas encore accroché. Mais ceci dit, on peut raccrocher. Non. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Pourtant, j'ai coupé de son bord. Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui, je crois que... C'est bon, on vous entend. C'est pas grave, je m'en écoute. C'est pas grave, vous inquiétez pas, nous on vous entend. Parlez dans le téléphone, ne nous écoutez pas à travers, ne nous écoutez pas au niveau de la télé. Tu veux? Ce que je voulais vous demander, les tabous vont toujours exister jusqu'à un certain niveau dans la vie. Je suis Adeline. Adeline, bienvenue Adeline. J'adore mon prénom. Carissa, vous sont les complets. Et je voulais vous écoute, Adeline. À la dame qui a écouté. Ça sert à quoi le sextoy en forme de canard? Parce que j'avais assez rare quand j'étais jeune, oui. Je m'en sers plus. Je me sers de. La décoration? Et ça sert à quoi? En fait. C'est vrai, je m'en suis jamais servi. Ah, alors. Bonsoir madame. Alors, le petit canard, en fait, c'est un vibromasseur. D'ailleurs, c'est le plus ancien vibromasseur. Et c'est juste pour. Ça vous sert à vous découvrir votre zone érogène, par exemple. Vous pouvez aussi jouer avec. Vous pouvez jouer à deux avec votre partenaire ou aussi toute seule. Voilà, ça c'est le petit canard. Voilà. Puis elle est discrète, elle est sympa, elle est mignon. Voilà, il est vibrant. Donc. Finalement, c'est juste pour. Excusez-moi. Oui. Finalement, c'est pour juste jouer sur l'imagination de bord. L'imagination, parce que je ne m'en suis jamais servie. Et pourtant, je suis allée au salon,
au salon de la... De l'érotisme. Mais ça parle quand même. Et vous ne l'avez jamais utilisé? Alors, madame, je vous propose que vous raccrochez et on va répondre à votre question. D'accord. Ok. Ok, ok. Merci. D'accord. Donc, la dame a demandé à quoi sert le petit canard. Donc, je précise, ce n'est pas le petit canard que vous mettez pour vos enfants. Ça ressemble à ça, mais c'est du tout pas ça. Donc, non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de le petit canard. Oui. C'est l'antifibromation. D'ailleurs, c'est dommage, je ne l'ai pas amené. Et c'est ancien. Tu vois, c'est un des plus anciens vibromasseurs. Oui, c'est vieux, mais jusqu'à maintenant, les gens aiment toujours, l'utilisent toujours. C'est-à-dire que le petit canard, il vibre. Il vibre. Mm-hmm. D'accord, mm-hmm. Donc on le passe sur n'importe quelle partie du corps, mm-hmm. Puisque bon, on sait très bien qu'on sait plus ou moins ce que peuvent faire les vibrations. C'est-à-dire que, par exemple, comme il est vibrant, tu peux l'utiliser, tu peux le passer dans toutes tes zones érogènes et tout, mm-hmm. Et ça te permet de découvrir déjà tes zones et tout et tout. Donc, c'est pas mal. Oui. Donc, voilà, ça sera ça. Et on peut le passer sur le clitoris. Partout. Et d'ailleurs, tu peux même utiliser toutes les parties du canard. Tu peux l'utiliser. Même le petit bec, tu peux l'utiliser pour pénétrer, pour jouer avec ton vagin, par exemple. D'accord. Il faut savoir que le corps tout entier est érogène. Mm-hmm. Par contre, il y a des starters. Mais comme votre voiture, vous n'appuyez pas sur le frein. Et encore, c'est sur... Oui. Quand on veut démarrer une voiture nouvelle, il faut en même temps sur le frein, il y a un petit bouton. Mais le corps entier est érogène. Mais il y a de la pointe des cheveux jusqu'au talon. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont des zones précises. Parce qu'elles n'ont pas eu la chance de découvrir l'ensemble. Mm-hmm. Et c'est ça l'intérêt d'un partenaire éduqué, expérimenté, pour, dans les moindres recoins, trouver les nuances. C'est pas jouer do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, juste en face de soi. Hein. Il faut arriver à monter dans les gammes et descendre aussi sur ces gammes-là. Et ça, c'est l'intérêt. Je pense qu'au moment de présenter un Goldmichet, plus il serait capable d'être utilisé en toutes circonstances, en toute zone, a une fonctionnalité beaucoup plus importante. Polariser strictement le préliminaire, la caresse, l'échange sur les zones érogènes, sauf l'homme. D'ailleurs, si on regarde Carissa, elle a en main les éléments qui caractérisent le mâle, c'est-à-dire avec un accent. Le masculin, c'est ça. C'est juste là. Et pourtant, vous vous trompez beaucoup. Il n'y a pas que ça chez un homme. Mais si vous ne lui parlez pas de son estaca, hein, je ne sais pas si on utilise le mot... Estaca. Oh, estaca, le pénis. D'accord. Le pénis. Non, j'avais compris, docteur. Donc, il y a un minimum de culture hispanique, quand même. Hein. Exact. Ça, donc, le mal, c'est ça. Le mal, c'est en permanence ça. Mais nous n'avons pas que ça, en fait. Si, mais docteur Daniel, sachez que autant, c'est vrai ce que vous dites, et c'est vrai, vous voyez. Mais sachez qu'il y a autant de femmes qui ne connaissent pas leur corps, comme il y a aussi des hommes qui aimeraient découvrir autre chose que leur pénis. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, c'est juste un mot. C'est une invitation à vous hein, de pouvoir évoluer dans ce que vous avez d'idée d'un homme. Oui, ils aimeraient que vous puissiez vous adonner à l'accompagner à découvrir autre chose que juste son pénis. Un diesel. Et justement. Oui, il n'y a pas d'homme diesel. C'est un réflexe et il faut savoir comment, je dirais, l'amener à s'exprimer. Il y a aussi, éventuellement aussi, par exemple, autant qu'il y a des femmes qui n'écoutent pas, mais il y a aussi des hommes qui n'écoutent pas. Donc parfois, on a envie de qu'on s'écoute parce que c'est important. En fait, dans tout ce que vous dites, la communication est essentiel, évidemment. Non, il faut y et malheureusement, il y en a qui il faut partager du rôle. Bon, mais il faut qu'ils apprennent aussi à s'écouter. S'écouter, voilà. Mais c'est l'intérêt presque d'être un peu égoïste. Alors, mais un homme, pour se découvrir, il va se masturber, il ne va pas caresser son bout de tété. Hein. Tandis qu'on invite les femmes à se caresser le visage, le cou, la nuque et à l'ouette. Donc c'est sûr que vous avez intérêt... Ce n'est pas ce que j'entends souvent.
d'expansion, parce qu'il y a les d'exploration beaucoup plus large. Oui, ouais. C'est vrai que effectivement, alors excusez-moi, par rapport à ce qu'Ingrid elle dit. Alors j'avais vu un sujet sur les zones érogènes, à savoir les seins. Alors on disait que c'est une zone érogène, masculine. Justement, les deux. Il y a les deux. Zones érogènes aussi bien pour les hommes que tout pour fait, les bien femmes. Sûr. Tout à fait. Et bien sûr, dans les commentaires, les hommes se sentent offusqués parce que pour eux, effectivement, ça, en matière de sexualité, c'est la représentation féminine. Quand on parle de sein, quand on parle d'excitation, on parle de zone érogène et qu'on met le mot sein, il faut que ça soit féminin. Et mais j'ai pas vu d'hommes dire oui, effectivement, moi, quand on me mordit le sein, ça me fait de l'effet. Et ça m'a quand même amusée parce que beaucoup de femmes parlaient pour les hommes. Il y en a une qui disait que c'est le sein gauche. Alors il y en a un qui a dit: ah, mais qu'est-ce que t'en sais que c'est le sein gauche? Oui, parce que c'est du côté où il y a le cœur, tellement que tu as ta testicule, regarde bien, t'as ta testicule grosse qui est gauche, qui est plus grosse que ta testicule droite. Quand ça commence, je dis qu'on vous dit bien un vagin, mais un testicule. Il n'y a pas une testicule, hein. J'ai on peut quoi, avoir. J'ai dit ta testicule. Ton testicule. Mais moi, les hommes ne l'assument pas, de toute façon. Exactement. Mais il y a des. J'ai déjà des clients, comme on dit, quand. Voilà, qui me disent oui, pour moi, la poitrine, les seins, c'est. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est une zone érogène. On me l'a déjà dit. Ah non, mais oui, ça, c'est vrai qu'on a toujours entendu. Non, mais pour l'homme. Pour l'homme. Parce que tu sais que ça a une sensibilité. Oui, une sensibilité. C'est une zone érogène, mais sa satisfaction, c'est de découvrir que vous vous occupez d'autre chose que juste ce qu'il a entre les deux poches. C'est ça l'intérêt. Non, je vous rassure. Pas forcément. Je vous assure. De toute façon, un sujet comme ça, et catalyseur d'opinion, on va de toute façon tourner en rond avec les nios. Mais il y en a qui consultent. Alors nous avons appris la physiologie masculine. Pour être rassuré, depuis la nuit des temps, c'est juste la reproduction est juste et de plus en plus quelque chose que vous partagez, c'est la relation sexuelle et le plaisir partagé. Donc un homme qui découvre que vous occupez d'autre chose que de son pénis, sa possibilité de vous faire jouir, d'être bien debout dans ses baskets, et à la limite de ne pas faillir, parce que c'est pour l'homme en général, le point fort de sa virilité, c'est son érection. Et jamais voir un homme qui va rentrer pour faire la cour s'il n'est pas sûr de son érection, sauf s'il a été enseigné différemment et qu'il utilisera d'autres astuces pour vous convaincre. Mais si par hasard il faillit à sa mission, peut-être à travers un silence, voire un type, vous lui ferez comprendre qu'il n'était pas à la hauteur. Alors, c'est vrai que lorsque vous vous occupez d'une autre jeune, de son dos, on fera une émission un jour pour vous expliquer un homme, comment il faut les concevoir, dans sa sensibilité, par quoi il faut commencer. Mais je vous assure qu'il commencera, lui, par s'assurer que l'érection soit au rendez-vous. Il a beau être sensible. Madame, s'il vous plaît. Ah, il faut dire. Il a le droit de dire. Qu'est-ce que nous pas rigolé à travers ça sur la croisière? Le moindre mouvement en ma direction me rendrait susceptible. Attendez, juste émotionnellement. Et vous le mettez à côté de moi, puis à chaque c'est fois. Vrai. Mais c'est de la façon qu'elle a de faire, Jessica. Elle va s'accoucher à ma cuisse, madame, s'il vous plaît. D'accord. Daniel. Vous avez sursauté? Oui, je suis sursauté. Vous êtes très sensitive. Hein? Je suis, oui, très, oui. Très sensitive. Alors, comme vous avez parlé du point. Vous allez rassurer les hommes qui nous regardent. Ouais. On est d'accord lorsqu'on dit que lorsqu'on a toujours dit que les hommes, ils n'assument pas peut-être que leur point sensible soit le téton, le point G de la femme. Vous êtes d'accord qu'il est au fond du vagin? Au fond. Oui. Vous êtes déjà allé.
dans l'entrée, il a c'est comme ça, quelques centimètres. Alors, à quelques centimètres. Donc, et le point à 2 centimètres. À 2 centimètres, c'est ça. Et pour l'homme, le point. Un peu sur votre gauche, si vous êtes en face, c'est-à-dire sur la droite de la femme. Alors, prenez des notes. Hein. Et pour l'homme, le point. Alors, pour l'homme, c'est le point P. On ne dit pas le point G. On dit le point P. Alors, il est où? Il est à l'entrée de l'anus. Voilà. Et ça, c'est un sujet que c'est pas évident pour discuter avec les hommes parce qu'ils vont se dire alors, ah oui, mais ok, dit que maman Koumé, machin, machin. Ce n'est pas l'entrée de l'anus, je vais vous rassurer. C'est entre l'anus et les. Et madame, madame qui s'y connaît bien. Qui s'y connaît bien. Pas dans sa pratique au quotidien, mais dans l'enseignement qu'elle propose, avec tout le karma qui va avec, avec toute l'énergie qui se développe, elle connaît le moxa, si je me comprends. Oui. Voilà. C'est pas une bougie, hein. Non. C'est juste une petite baguette que l'on chauffe, bâton que l'on chauffe. Je sais pas s'il est allumé, parce que comment. Bon, il se rase maintenant tout ce temps. Vous risquez pas de mettre le feu au poulet. Mais c'est vrai que ce moxa, il faut le placer entre l'anus et le début de la bourse du scrotum. Oui. Mais vous n'avez pas besoin de ce moxa. Simplement, avec le doigt, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, ça fera le même effet. C'est un point énergétique. C'est un point énergétique qui permet d'avoir une bonne érection. Mais un sujet sensible. Ceux qui montent à cheval, l'ouverture d'esprit de l'homme. Les cow-boys, s'ils n'ont pas de fesses, ils sont bien assis sur le fessier, mais pas sur leur boule, autrement ils ne restent pas de boule. Hein. Exact. Et bien cette zone est en permanence stimulée. Vraiment stimulé. Ceux qui montent à cheval, ceux qui montent à bicyclette. Par rapport au choc, hein, sur le. Voilà. Pas le choc, mais surtout au trot. Ah, au trot oui. Assis. Tout. Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer. Galoper. Est-ce que ces personnes-là ont une érection plus longue alors? Oui. Est-ce que quoi? Ça stimule une érection. Les hommes qui font du cheval. Non, et non, pas une érection plus longue. C'est une érection plus dure. Plus dure. Alors là. Mesdames. Mais non, mais le dur, ça peut être dans le temps, oui. Mais ça peut être dans la fermeté. D'accord. Et de plus en plus, les femmes demandent, s'il te plaît, tu peux pas être un peu plus dur en plein rapport. Ça casse le mec. C'est pas intéressant, une bonne molle. Ça m'étonne qu'une femme puisse dire ça. Il y en a qui peuvent le dire. Non, Jessica. Non, mais son interrogation, c'est un petit peu pour stimuler tous ceux qui douteraient de la chose. Non seulement que ça arrive, mais qu'il y a des moyens de le stimuler, juste simplement en plein désert, avec un doigt au bon endroit. Il n'y a pas forcément près de l'anus. C'est bon, c'est bien dit. Hein. Pour la simple raison, exactement comme les femmes, vous savez ce que c'est les fameuses plantes. D'ailleurs, Lydia la connaît, parce que c'est mon coach, je dirais, en végétation. Mm-hmm. Hein? D'accord. Il y a, comme les marirons, vous savez, comment ça s'appelle en fait? Quelle est la... Mon Dieu, comment ça s'appelle ça? La petite plante qu'on touche et puis ça se ferme. Ça se ferme. Ah, ben, non, c'est pas vous mettez, comme Chocolat a dit, vos doigts près de l'anus, vous aurez la même réaction que chez une femme, ça va se fermer. Non, c'est pas le nénuphar. Il risque de se poser des questions. Ça, et chez une femme, c'est au moment pareil, de la pénétration, on demande souvent aux hommes, lorsqu'elles viennent se plaindre à la consultation, qu'elles ont mal. Elles ont mal, elles sentent un ragage. Ça signifie que même à la messe, Monseigneur ne bénit jamais en passant du seau et en envoyant son eau bénite sur les gens. Il met l'eau, il regarde qui dort et va balancer de haut en bas. La bénédiction. Donc, lorsque vous pénétrez votre partenaire, vous devez faire la même chose avec les yeux qui vont aussi de haut en bas, même si vous les fermez, en la regardant du coin de l'œil gauche. C'est important, tout ça. Attends, j'ai essayé de voir. C'est mimosa locale. Ça fait une petite fleur avec un petit pompon violet. Voilà, et donc lorsqu'on touche, ça se ferme. Donc, si vous pénétrez votre partenaire en allant de bas vers le vagin, elle va se fermer. Non seulement elle va se fermer, mais elle va faire l'écovis, c'est-à-dire elle va basculer le bassin vers l'arrière. D'accord. Alors qu'elle devrait justement se présenter comme pour recevoir l'offrande. On est d'accord, d'accord. C'est cette poésie qu'il faut mettre dans la relation sexuelle. Ce n'est pas purement mécanique. Il y a une façon de procéder, une gestuelle, un cérémonial même, qui permet à la femme de ne pas avoir mal lors de la pénétration. De haut en bas. Oui, comme si c'était une bénédiction qu'on lui faisait. Alors j'ajoutais, si elle le mérite, ça ne pose pas de problème.
Mais si elle ne le mérite pas, avec une bonne molle, ça n'entrera pas plus facilement. Alors, question, docteur, maintenant que vous parlez de ça, excusez-moi. Et maintenant que vous parlez... Non, mais elle rougit en même temps. Donc c'est elle ça. Non, c'est le blush. Donc elle l'a accusé. Il y a toute la démonstration. Non, parce que maintenant que je pense à ça, c'est effectivement... Je voulais vous poser justement cette question. Je sais qu'il y a des femmes qui sont, à niveau du vagin, elles sont plus courtes que d'autres. Il y en a d'autres qui sont assez profondes. Plus profondes. Il y en a qui sont assez profondes. Il y en a d'autres qui sont assez courtes. Et c'est dû à quoi? Et ces moments-là, comment procéder par rapport à la... Parce qu'il y a des femmes, ça les fait mal. Quand c'est court. Hein. Alors, souvent, quand on se dit que c'est court, elles ont toutes la même profondeur. Minimum c'est la même 8, profondeur. En ouais. plus, c'est D'accord. comme un accordéon. Et il faut savoir jouer un instrument pour savoir que ça peut s'élargir et aussi aller un peu plus profondément. Mettons le partenaire, qui est souvent mal appris, il faut le dire, hein, je ne défends pas autour de la table chaque fois, les gars, il mal appris, mais par moment, l'idée qu'il faut se faire respecter en s'affirmant de la sorte, c'est très mauvais. Pour un premier rapport, il faut prendre la mesure. Vous ne prenez pas, par exemple, un instrument mal accordé, heureusement que maintenant on n'est pas là, et les musiciens ils pourraient dire que ça ne marchera pas. Si vous n'accordez pas votre instrument, vous êtes sûr de ne pas pouvoir jouer la partition. Or, la partition, c'est le rapport. Donc, il n'y a pas que du mécanisme. Et si cette femme a un utérus rétroversé, donc penché vers l'arrière, il va buter beaucoup plus rapidement. Il aura l'impression qu'il est rentré dans une vagin de jeune fille. Mais bon, c'est au début que l'on peut éventuellement leur expliquer, en venant à la consultation avec la future, D'accord. ou celle qui se plaint de cet inconfort, pour lui expliquer ce que c'est qu'un utérus rétroversé. Souvent, par exemple, un homme qui est beaucoup plus grand en taille, hein, je ne parle pas de pénis, pour embrasser sa partenaire, il va être obligé de baisser un petit peu, pour être à niveau du front, un peu au niveau de la bouche. Et il aura une façon d'avoir un pénis qui sera comme une estaca, planté vers le haut, et là, il va buter sur la vessie. Alors, c'est sûr qu'il y a plein d'aménagements. D'accord. Il faut qu'elle fasse pipi avant d'aller au lit, mais pas casser l'ambiance en disant « Attends, je vais faire pipi ». Ça casse l'ambiance. C'est une expérience. Non, à la limite, vous pourriez lui dire, mais si tu, en ouvrant les yeux à ce moment-là, si tu fais comme ça, je vais faire pipi sur toi. Regardez la gestuelle. C'est pas je vais faire pipi, je vais faire pipi. Hein. Si tu continues, je vais pisser. Hein. Non, ça casse l'ambiance. Si tu continues comme ça, tu sais que je vais faire pipi sur toi. Oui, avec un œil un peu fuyant. Il est partenaire, on peut aimer ça. Comment? Oui, c'est ça, exact. Alors, c'est possible. Mais en fait, si c'est chez vous, il n'y a pas de problème. Si c'est chez lui, ça pose un problème. Sauf s'il a mis une à l'aise à la maison. Ce n'est pas toujours évident. Donc, il n'y a pas de vagin, plus ou moins. Oui, d'accord. ça existe. Vous ne pouvez pas avoir une petite naine. Mais non, mais ça peut vous surprendre que petite peut avoir de gros klaxons. C'est ça, toute l'image. Semble dépoétisé. Mais après, c'est du. Non, mais je voulais vous poser une question depuis un moment. Parce c'est de la mécanique. Je pense que c'est. Et puis, cette histoire, je ne vous sens pas. Celui qui a un gros pénis, pas gros pénis. Moi non plus. La taille importe peu. D'accord. Ils vont plus privilégier la grosseur plutôt que la longueur. Ils vont privilégier D'accord. la grosseur que la longueur. Alors, donc, toutes soit les femmes... Soit Carissa ne suit pas. Daniel. Soit elle veut prendre des notes. C'est certains points. Toutes les femmes ont la même profondeur? Non, pas la même profondeur, mais en fonction de la pénétration, ça s'adapte. C'est fait pour ça. D'accord. Mais c'est si un écordéon. Même si c'est en différence d'un niveau des sexes. Bah, c'est pas un 22 long, il faut quand même. Hein. Non, je sais pas, j'ai fait Il y a des hommes qui ont des. Pardon? Non, j'ai dit, j'ai fait ça, mais c'était pas exprès, en fait. Non, en fait. Je sais pas si c'est une question d'expérience. Hein. Non. Ou de curseur. Non, je me pose la question, parce qu'évidemment, j'ai déjà eu des clientes qui m'ont demandé et tout, parce que. Voilà, donc je me dis, je profite pour vous poser la question. Est-ce que, comment se prendre? Parce que, par exemple, je sais que parfois, ça m'est arrivé d'avoir une cliente qui me dit que son partenaire, il est assez... il vient fourni, on va dire, et que... Non, ça s'appelle bien monté. Ah, voilà. Donc, bien monté. Bien monté, comme un il chef. Bien monté. Il est bien monté. C'est-à-dire qu'il est pas... Voilà, il est bien... était bien... Monté. Il est important d'apprendre un peu le langage, hein, d'accord. Français. Okay. Pour qu'on puisse comprendre, ça se dirait comment en espagnol?
dans votre langage, votre culture? Bien, comment bien? Bien, bien monté en espagnol. Ah, non, mais c'est pas ça du tout que je voulais dire. Hein. Non, mais... C'est pas ça non, du mais tout. Il te demande comment tu vas dire. Elle te présente à comment c'est dit. Non, bien monté, c'est bien monté, bien duro. Bien monté, c'est pas l'érection, c'est... Il est bien proportionné, ah, il a proportionné. Un nom. D'accord, parce que voilà. Plusieurs fois, vous m'avez fait cette dimension-là, mais plus ça allait, plus ça sortait de l'écran. Alors, je ne savais pas à la limite. Non, ça devient proportionné. Alors, donc, d'un coup, on m'a déjà demandé, et m'a dit, des clients qui me disent, alors, c'est pas facile, parce que... Et donc, je me dis que je profitais pour vous poser la question. Non, mais lorsqu'ils consultent, on leur explique comment il faut faire. Voilà. Alors, on fait un schéma. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, écoutez... Et les positions. Avec les positions aussi. Mettre un peu sa même souris, ça peut aider. Il y a 36 positions. Lui offrir pour Nobel... le Kamasutra. Le Kamasutra en 3 tomes. Ah. Et puis venir pour le 4e tome à la consultation. Sinon, venez à la boutique à l'acheter. Parce que j'ai mais voilà. Justement, parce que Ingrid, tu parlais qu'elle avait mal. Mm-hmm. Tu es madame lubrifiant quand même. Oui. Donc tu as par exemple une panoplie là, pour nous montrer. Ça fait oui, trop bien cuisine. Bien ça fait trop cuisine. Il y a quand cuisine. Même un lubrifiant qui est parfait, c'est la salive. On est d'accord. Oui. Plus bon, naturel, le naturel. Il ne va pas faire ni comme un Cubain ni comme un Chinois, cracher de loin. On est d'accord. Je ne stigmatise personne. Mais on est en plein dans les tabous là. Mais non, mais ah oui, c'est des choses en comme on dit, ça demande de la discrétion. Comment? Ça se vigne la salive. Non. Oui. Ça peut dépanner. Si on n'en a pas, s'il faut à côté, bah. Non, vous êtes sûr que le tube ne sera jamais vide. Vous êtes sûr que le tube ne sera jamais vide. Tu préfères en plein rapport, Sylda, je ne peux pas dire de la salive, ne pas dire qu'il te crache dessus. Tu préfères un coup de salive ou bien Alors, docteur, je vais vous demander quelque chose. Si toutefois, parce que vous parlez de la salive, la personne va avoir une initiation, et je précise, la personne est stimulée naturellement, comme je pense que vous allez me dire tout à l'heure, la personne est bien stimulée par son partenaire, mais il va avoir une initiation à niveau anal. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il n'est pas mieux utiliser un lubrifiant anal adapté à ça qu'utiliser la salive? Oui. D'autant qu'elle soit au moins habituée. Oui, mais au-delà de ça, avant tous les lubrifiants, non, il y a une façon de procéder qui lui permettra pas d'entrer la première fois. Parce que si il y a... Mais ça aide. Oui. Ça aide. Mais, parce que ça dilate un petit peu. Mais souvent, vous savez, les hommes qui disent, et les femmes le reconnaissent, lorsqu'ils me demandent de le faire par l'anus, et souvent, c'est qu'il a l'intention de le faire, mais pas forcément de le faire. L'intention vaut mieux par moment plus que l'action. C'est un fantasme que l'on dépasse. C'est un tabou qu'on exorcise. Mmh. Et ça excite plus que vous ne pensez. D'accord? D'imaginer? Oui, d'imaginer. Oui, je prends le temps qui va avec, parce que c'est important. Mmh. C'est pas tout de la mécanique. C'est comme une grand-mère de 82 ans qui vous dit, j'aimerais qu'on me fasse un bébé, il n'y a pas de problème. Le gros marché est fermé, vous pouvez pas acheter une poupée. Mais le fait simplement... Madame, vous n'êtes pas à la campagne, quand même. D'accord. Vous vous baissez tout à l'heure sous la table pour éclater de rire. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il faut rendre joyeux, même une consultation, de manière à ce que... Voilà, on vient chez un gynéco, comme on va chez le dentiste, il faut bien ouvrir la bouche. On est dans des conditions où on parle de choses joyeuses, de sexe, de sexualité, pour élargir un peu la chose. Et à tout âge. Et quel que soit, je dirais... le niveau intellectuel et le choix d'être ou non dans les ordres. Mais vous n'avez pas dit si vous êtes, vous n'avez pas dit si c'était mieux le lubrifiant. Et toi, il a écrit. Non, parce que il ne faut pas devenir. Parce que pour moi, ça fait cuisine. Lorsqu'on est suffisamment dans la poésie, vous n'avez pas juste à côté votre bouteille de bière, la bouteille de lubrifiant, la commande de la télévision. Ça devient, c'est dépoétisé. Mm-hmm. Donc lorsque les gens, et je pense que Sylvia qui manifeste déjà son accord, la caisse, signifie qu'il faut déjà commencer par ça. Mm-hmm. Initier les gens à cette poésie, à ce rapport, cet échange. Qu'est-ce qui tombe? C'est le dernier c'est goût. C'est Carissa que tu les jouais. Carissa joue avec quelque chose depuis ça, Léona. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle n'a rien cassé, Non, mais c'est important. Oui, de privilégier, de même que lorsque quelqu'un dit, je ne n'ai pas de sensation,
On ne va pas lui donner un golemichet de cette taille-là. Mm-hmm. On va lui donner un petit canard, tiens. De façon à ce qu'elle puisse le passer sous ses bras, derrière sa nuque, dans des endroits où elle ne soupçonne pas. Non, c'est niveau-là, je vous assure, je suis douée. Pardon? Pas parce que, alors, je parle des suivis avec les clients. Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. C'est pour ça que je explique aux gens. Ouais. Si quelqu'un, par exemple, me parle d'une initiation, par exemple, elle me dit, elle essaie de faire une initiation à niveau, par exemple, anal. Moi, personnellement, même si la personne elle a envie de regarder quelque chose de trop, tu vois, je dis non. Je vous conseillerais... Commencez par un plug. Voilà, commencez par quelque chose de plus petit, mmh. plus... Et après, vous allez en crescendo. Donc, forcément, voilà. Est-ce que c'est pour remplacer le partenaire? Non, pas du tout. Non, c'est pour elle veut se découvrir elle-même. Alors, il y a des choses que vous connaissez déjà, mais je pense que je vais vous l'expliquer quand même. Alors, on parle de tabou, donc oui. Pour beaucoup de personnes, c'est très tabou parler de tout ce qui est anal. Après, c'est un respect. Chacun, c'est un choix, aussi. C'est un choix. Ça a été présenté contre nature, voilà le terme qui est consacré. Voilà. Donc d'un coup, c'est... Rapport contre nature. Mais quand, vous savez, par exemple, et si quelqu'un, imaginons, parce que c'est pas pour... faire l'amour anal comme ça, ça peut être naturel aussi, avec juste pas forcément avec des accessoires, ça se fait normalement aussi, naturellement. Mais il y a des petites choses, par exemple, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, docteur Daniel, imaginons, ça c'est un plug anal. Donc bijoux, par exemple, voilà, avec un 10 pieds. Une pile. Une pierre. Alors vous allez dire, mais c'est mignon. Oui. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose que ça va servir à quelque chose parce que quand cette partie, on fait l'amour, enfin on est stimulé, on avait son partenaire, on fait l'autre. Hein, quand le plug, elle est introduit dans l'anus. En avance, hein. Voilà. Mm-hmm. Bah, donc c'est à l'intérieur et vous faites. Il y a une pénétration naturelle en même temps. Vaginale. En même temps que le plug, c'est pas mal. Stimulant. Pourquoi? Parce que le vagin, il se resserre déjà, il est plus crispé, donc il est serré. Donc par rapport au monsieur, c'est pas mal, et par rapport à madame, c'est pas mal non plus. Donc ça a quand même. C'est une utilité. En plus de ça, c'est mignon. Après, c'est sûr que c'est pas tout le monde. Je précise, c'est pas tout le monde qui aime ça. Il faut pas non plus. Je veux pas les dire aux gens bénis. Ça, c'est que c'est un choix personnel. Mm-hmm. Mais il y a une utilité. En plus de que c'est excitant et stimulant. Voilà. C'est tout. Alors, vous êtes complètement parti en freestyle. Ah, là. Oui. Non, on n'est pas parti, on est dans le tabou de tout ce que les gens. Non, mais parce que c'est un tabou. Alors, j'ai même eu l'impression que vous m'avez oublié là aussi. Non, ça m'a sujoué. Carisse, je t'ai regardé comme ça. Ça faisait du bruit. C'est ça. On entendait vibreur. Donc, effectivement, on est tout à fait dans les tabous. Pardonnez-moi, il y a quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Là, il faut baisser sur la télé. Allô, bonsoir. Alors donc, petite précision, quand vous nous appelez, baissez le volume de votre télé, écoutez-nous au téléphone, parce que si vous nous écoutez à la télé et au téléphone, vous aurez un décalage de même pas 2 secondes, donc ça va vous paraître un petit peu bizarre, ou vous aurez cette impression de ne pas vous entendre ou qu'on ne vous entend pas. Mais pourtant, on vous entend. Mais là, il faut nous écouter à travers le téléphone. Donc, le sujet de l'émission, c'est est-ce que durant les vacances, les tabous disparaissent, on oublie les tabous. Alors, donc, il y a Ronald avec sa joie de vivre qui nous appelait, qui nous disait que pour lui, faire l'amour le premier soir, apparemment, serait un manque de respect.
Donc, c'est vrai que quand on dit tabou, c'est les croyances, l'éducation, la religion, ce qu'on a un petit peu transmis. Donc, voilà, papa et maman sont mariés. Donc, plus tard, moi aussi, je vais me marier, je vais avoir des enfants. On entend souvent dans les couples, quand, par exemple, certaines femmes sont plus ouvertes que d'autres dans les conversations où elles parlent de sexualité, il y en a toujours une qui dira « Ah, moi, je fais pas ça hein !» Donc, bon, voilà, on en a des... Et ça, et des fois, on se dit « Est-ce qu'elles ne sont pas un petit peu... on va pas parler de frigidité, mais refoulée, renfermée, je ne sais plus quelle expression. En même temps, on a Ingrid qui a sa boutique très chaleureuse, très mignonne. C'est, quand on y rentre, on a l'impression d'être dans un... C'est comme les enfants quand ils rentrent à la grande. Sauf que c'est pas pour les enfants. Et en fait, et du coup, c'est vrai qu'on arrive où, à cette époque, hein, je dirais à cette époque, puisque les sextoys ont toujours existé. Oui. Et, en tout cas, ils existent depuis des années. Oh, sauf que là, maintenant, on a vraiment un panel de choses. Ça va de la crème de soin pour le pénis. Les lubrifiants, bon, ça, on connaît. Les God, c'est Godmichet ou Godmichet, j'ai jamais God su Michet. En fait. Godmichet. Donc, alors les vibrators et consorts. Donc, on a aussi des trucs qu'on peut mettre sur des axes. On a, alors, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires pour les pénis. Alors, quand je dis beaucoup d'accessoires pour les pénis, c'est pas les Godmichet, mais des choses qu'on peut mettre pour pouvoir avoir des sensations comme les billes. Comme les anneaux vibrants, les gaines. Voilà, les gaines. Donc, la lingerie pour femmes, ultra sexy, c'est quelque chose qu'on connaît, mais effectivement, alors elle, Ingrid, elle a carrément un stock derrière la boutique. Donc, et puis là, donc c'est vrai que par exemple, elle a quelque chose qu'elle nous a emmené. Alors, c'est une mousse. Là, c'est une mousse qui craque. Ah, c'est un maillot de bain. Oui. Ah, mais je veux ça. Pour les lions, ça tombe celui-là. Donc, c'est une mousse que tu utilises comme ça, tu vois. Et c'est... Regarde le bruit que ça fait. Oh. Ah, je veux ça. Ça sent bien, c'est doux, ça sent bon. Non, ça sent trop. Et ça peut se mettre sur le vagin? Non, ça c'est pour le moment, c'est pas le corps. Tu vois, Jessica, on peut pas te mettre dans le vagin. Ah non, mais c'est une mousse. C'est une mousse crépitante. Crépitante. Elle est crépitante. Ça crépite. Ça crépite. C'est agréable. Laisse-moi les faire sentir. Mais c'est quoi le but final de la mousse? Non, c'est comme tu sais, tu utilises l'huile de massage. Et ça, ça peut l'utiliser aussi comme l'huile de massage. Ah ouais. Voilà. Tu peux mettre. Non, mais n'allez pas à tout le monde. Il y en a docteur. J'ai peur. Je vais faire un petit bruit. Et donc, oui, ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand bien même sur Zouk TV, depuis des années, avec le docteur Daniel, on parle ouvertement de sexualité, on y rajoute ce côté un petit peu, je dirais, on lui met une couleur plus hard. Non, quand on coquin. Est vite, plus coquin. Coquin. Donc on met un petit peu coquin. Plus, on met une note coquine. On met plus de coquinerie avec votre présence, et Ingrid. Et c'est... Mais quand bien même, alors moi je me fais aborder, je vais parler de moi, où il y a des gens me disent, en fait tu parles tout le temps de sexe, tes émissions tournent autour du sexe. Alors donc moi je dis on parle de couple, on parle de sexualité. Et en même temps, je me dis, mais en quoi ça vous gêne? Alors, je mets une parenthèse. La prochaine fois, nous parlons de relations humaines. D'accord, donc la prochaine comme fois... Comme ça, englobe l'ensemble. Ça englobe l'ensemble. Voilà, de l'animalité jusqu'à la raison. Et derrière ça, il y a, comment dire, je ne veux pas dire, la pornographie. La pornographie, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir un abonnement pour voir du sexe. On n'a pas besoin aujourd'hui de... Oh là là, c'est trop beau, ça. Madame, vous me parlez, oui. Voilà. On va aller du côté du téléphone. C'est allô, trop beau, bonsoir. Vrai. Pas de trop beau, c'est pour ça. Oh, excusez-moi, c'est encore Ronaldo, hein. Ça va mieux, Ronaldo. Les deux fois. Alors, je voudrais dire, par contre, je trouve que, bon, on parle de pas mal de choses, mais il faut beaucoup parler aussi lorsqu'un homme et une femme, ils ont une relation et n'arrivent pas à l'orgasme. Parce que ça, le très souvent, j'ai été martinique au niveau des femmes. Alors, j'aurais bien aimé, monsieur, puis ça parle, parce que sincèrement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des relations qui n'arrivent pas à un orgasme. Je suis sûr, Martin. Parce qu'on parle beaucoup de pénétration, mais c'est pas vrai.
On peut arriver à différents gammes, soit une pénétration. Mais l'amour, c'est un jeu. Tout pour à moi, fait. C'est, il faut jouer, c'est pas un jeu. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'hommes en Martinique, ils pensent toujours que c'est la force. L'amour, c'est pas la force, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ni bat, et puis... Non, c'est pas ça. Ouais, et c'est pour ça que j'estime qu'en Martinique, qu'il y a beaucoup de femmes aussi, hein, et ils aillent voir ailleurs aussi. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, donc, on répond, on te laisse raccrocher, Ronaldo, et on répond à ta... On répond, non. Tu veux bien? Ouais. Ça va passer non, mieux alors, comme ça. C'est pour ça que je voulais rappeler, mais excusez-moi d'avoir rappelé une deuxième fois. Non, ça va. Et puis, j'estime que... Vous avez fait une émission une fois comme ça fait 3-4 mois. J'ai vu beaucoup de gens appeler et ça m'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup d'appels cette fois-ci. Non, ils vont prendre la rediffusion. Ah, d'accord. Et puis, attention, il faut faire attention. Les gens nous écoutent beaucoup. Hein. Donc là, ils prennent des notes. Oui, mais c'est ça que je vous dis. La peur de la parole, franchement. D'accord. Non, Ronald. En tout cas, merci beaucoup pour ton appel. Ah ben d'accord, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Pareillement, bonne soirée à toi. Alors donc, en fait, alors on revient sur les tabous. Alors c'est vrai que Ronald a parlé, quand Ronald a parlé de manque de respect, à savoir du fait de coucher le premier soir, c'est vrai que souvent on entend, hein, c'est-à-dire qu'on voit des scènes. Je dirais que bon, les filles, ben bon, elles sont jolies, elles sont jeunes, bon, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir 20 ans ou 25 ans pour montrer leur corps. Et c'est vrai que leurs attributs féminins. Et derrière, on va entendre, elles ne se respectent pas parce que bon, tout est déjà là à vue d'œil. C'est vrai que souvent, Daniel, tu as eu l'occasion de dire à une époque, on cherchait les fesses et maintenant, on est à l'époque où on cherche le maillot. Mais pourtant, ça ne déplaît pas. Donc voilà, la preuve en est. Vous voyez un maillot de bain qui vient de passer. C'est gentil, les filles. Merci. Mais très souvent, cet étalage, plutôt que de stimuler, finit par créer une anesthésie. Mmh. Ah, oui, c'est vrai. Mais alors, parce qu'il n'y a plus de projection, il n'y a plus de fantasme, il n'y a plus d'imaginaire. Ouais. Il n'y a plus un peu cette excitation douce que nous cherchons. Alors que tout est, pour dépoétiser un peu, servi un peu sur le plateau. Quand les gars viennent, ils sont saturés. Mm-hmm. Leur bibliothèque, il n'y a plus de place pour l'imaginaire. C'est ce qu'il faut arriver à casser. Donc ils sont obligés aujourd'hui de passer à un stade supérieur avec des stimulants, l'alcool en est un. Et puis bien sûr, tous ces joueurs-là viennent un peu accompagner, je dirais presque de temps en temps, un manque d'imagination. Donc s'il faut un panel, que chacun avec sa petite valise, d'accord ? Alors on parlait de baise en ville la dernière fois au téléphone. Parce qu'aujourd'hui, même les grandes marques utilisent ce genre de choses, au-delà d'utiliser le corps féminin en publicité, montrent ce qu'on peut utiliser lorsque on découche. Et pendant les vacances de la course de yole à la Pointe Fula Bacchanal, on part pour 2-3 jours, il se doit d'avoir dans son baise en ville sa petite valise un certain nombre de choses. Alors moi, de mon côté, je dirais, au-delà de ces outils, je ne parle plus d'ustensiles. Je parle d'outils parce que ce sont des outils de l'amour. Il faut avoir les éléments pour justement éviter qu'une capote qui se déchire, une pilule qui est oubliée, qu'on puisse avoir à disposition la pilule du lendemain, voire du surlendemain. Ça, ce sont des choses qui étaient taboues par le passé. C'est-à-dire, on prévoit l'aventure, on prévoit les déboires d'une aventure mal calculée. Donc, en dehors de la boîte de capote pour ceux qui se découvrent brutalement au cours d'une virée. Et puis, ne pas oublier, quand bien même on serait en festivité, un minimum de précautions pour ne pas polluer sa santé. Je suis pour ces choses. D'accord ? Je le prescris même. Bon, maintenant... Si on ramène la sexualité, c'est-à-dire l'échange relationnel, le plaisir de chacun à travers d'une mécanique, non. Il faut faire rêver, mais ne pas l'avoir à disposition.
Je suis persuadé que Green fait bien. Elle dit qu'elle a suffisamment de bouteilles pour se faire. Lorsque quelqu'un consulte, ne pas l'emmener directement au petit coin, là où il y a l'outil qui pourrait convenir, mais discuter pour connaître le profil de l'individu. Mais c'est ce que je fais. Et le profil surtout du couple. Il n'y a pas que l'individu qui consulte ou l'individu qui irait acheter. Dans quelle ambiance évolue ces deux-là? Alors, le féminin parle beaucoup plus. Et le masculin, de plus en plus, parce qu'il se rend compte que quand la bonne n'est pas au rendez-vous, que ce n'est pas forcément une question d'individu, mais une question d'ambiance. On met l'amour à côté. L'amour est tout simplement l'ingrédient qui peut faire durer la relation. Parce qu'on ne bonne pas par amour, hein, pour ceux qui pensent qu'aimer suffit. C'est juste la petite cerise sur le gâteau. Quand la cerise est là, c'est parfait. C'est presque du luxe. Lorsque la cerise n'est pas là, eh bien, il faut savoir faire. Donc au masculin, il y a toutes les pilules qui existent pour pouvoir stimuler. Au féminin, ça existe. Mais il y a beaucoup plus de stratégies à vous donner en tant que femme pour que les choses aillent bien. Que presque vous puissiez utiliser votre partenaire comme un instrument. Même avec ces ingrédients-là. Savoir vous préparer, savoir vous connaître, vous découvrir. Savoir un petit peu s'il a peur de vous toucher le genou, de savoir que si vous lui prêtez juste votre orteil, qu'il puisse savoir utiliser le talon. Vous voyez comment au-delà de... On revient à l'énergie avec Sylvia, de pouvoir toucher n'importe quelle partie du corps et que ça soit considéré comme une zone érogène. Le talon. Oui, on est loin de la chuchoune. Enfin, si, pas de la tchatchoune. Non, mais effectivement, je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles au niveau des pieds. Alors, je vous rassure, du point de vue acupuncture, en médecine chinoise, le talon, c'est la vulve. Oui ou non, Sylvia? Quand vous avez le talon d'une femme entre les mains, c'est comme si vous l'avez touché déjà au plus profond de son âme. Elle va s'endormir en pensant à vous. Donc, allez courir simplement à faire tomber la culotte comme un liquide qui voudrait tirer avant même que l'ombre soit à disparaître. Le talon. Vous venez d'apprendre quelque chose là ce soir. C'est sûr. Le talon, madame, c'est la vulve d'une femme. Et quand vous avez le pied d'une femme, même à distance, on travaille en distance, on communique à distance, vous lui donnez votre pied. Vous êtes déjà tombé. Hein? Et on prend son pied. Et on prend son pied. Non, mais ça, je vous crois. Hein? Je vous crois parce que je sais effectivement qu'il y a des zones comme par exemple les pieds, les orteils. Il y a des... Même en te mordant un orteil, il y a des femmes qui... Oui, mais voilà. Il y a beaucoup de choses. Hein? On se libère plus facilement. Imaginez, je peux vous toucher, donnez votre pied. Il peut considérer qu'il n'a pas été assez loin, mais s'il sait de quoi il parle, s'il sait comment procéder, il vous pète la tête avant même que vous ne reveniez à vos rêves. Hein. Non, vous êtes bien silencieuse là. Même les mains, ça peut être... Oui, mais pour avoir les mains, c'est déjà quelque chose d'utilisé au quotidien. Le pied, c'est, personnellement, c'est j'adore presque les mains. Insolite. C'est... Oui. Laisse-moi toucher tes pieds. Laisse-moi toucher ton coude. Il y a des fétichistes des pieds. Alors, aussi bien il y a des fétichistes des pieds, aussi bien il y a des personnes qui ont horreur des pieds. Comme moi, moi j'aime pas qu'on me touche. Voilà, ça me chatouille, je peux plus. Mais non, parce qu'on va directement aux zones qui vous soient... Vous êtes susceptible parce que vous êtes une sensitive particulière. Mais en fait, il prend votre talon sans même bouger. Ben, c'est vous qui cheminez un peu dans votre cerveau pour mener l'influx jusque là où il faut. Donc, il monte... Il redescend, il s'arrête juste au milieu. Donc, vous voyez le schéma? Alors, il vous a entendu. Donc, chérie, tu sais, tester mes pieds, hein? Alors, en fait... Il est à l'émission. Il regarde, oui. Eh bien, je vais lui donner quelques astuces. Donc, alors, on revient. Donc, c'est vrai que sur la notion, donc, dans la notion de tabou, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on nous a... enseigner sur notre éducation, c'est-à-dire à savoir que nos parents dans la chambre, porte fermée, où on n'entend pas forcément de bruit, où on attend quand les enfants dorment. Donc, alors pourquoi je dirais que pendant les vacances, peut-être pas forcément de tabou, mais on ose peut-être un petit peu plus, à savoir bon, si les enfants ne sont pas là, ne sont pas à la maison, ils sont chez mamie, chez papy, on va peut-être profiter du temps pour essayer si le lavabo il est bien fixé au plafond, si l'évier peut soutenir, si la taille de monsieur permet certaines positions qu'on a rêvé de faire. Mais c'est vrai que là, l'imaginaire aussi se sent un petit peu plus libéré.
On a peut-être ce côté où on se dit, bon, on n'est que deux, pourquoi ? Et puis ça peut aussi donner, comment dire, une nouvelle... voilà, de mettre un petit peu de piment dans le couple. Donc ça peut être... Et puis voilà, aussi, il y a ces couples qui, pendant des années, sont partis en vacances avec les enfants. Là, ils ont eu leur bac, ils sont majeurs. Donc eux, ils vont aller faire leur truc de leur côté. Donc nous, c'est notre année à nous. On part tous les deux depuis longtemps en vacances. Donc c'est peut-être le moment aussi d'essayer, parce qu'on se dit, par exemple, on n'est pas sur la plage des Salines. Donc il y a personne qui nous connaît, donc je ne sais pas, je prends un exemple, à Casablanca, on va essayer de faire l'amour sur la plage, dans l'eau, dans la piscine, sur la... ou bien bon, on part... Pas besoin de la Casablanca. On part en croisière. Pas besoin de la Casablanca, mais c'est tout simplement en janvier. On part en... Oui, voilà, c'est ce que je venais dire, ou sinon on part... Pas peine de tourner autour du pot. On part en croisière le 23 janvier à la Bonamano. En plus, le jour de mon anniversaire. Eh bien oui. Ah, oui. Donc voilà, en fait, c'est ce côté-là, je pense que quand on dit tabou, parce qu'il faut se dire que les tenues sont un petit peu plus légères aussi pendant les vacances. Les corps sont un petit peu plus dénudés. Donc, c'est madame qui met son tailleur du lundi au vendredi, parce que bon, elle est... C'est son activité professionnelle fait qu'elle doit être comme ça. Et puis là, enfin, voilà, ou comme dirait Mano, elle se libère de ses bigoudis. Elle se libère de ses bigoudis. Mais là, son t-shirt. Son t-shirt de publicité. Là, à ce moment-là, elle fait tomber le t-shirt, elle fait tomber les bigoudis, ou elle arrive avec bigoudis et t-shirt mouillé. Alors, je vous rassure, hein, si c'est la veille du départ, en croisière, ou bien juste... Le 1er juillet, lorsqu'on a annoncé pour chacun le départ en vacances de l'entreprise, si elles ou ils n'ont jamais tenté de revoir leur copie au cours de l'année, ça n'a pas marché. Maintenant, si le féminin prend la main, ça peut marcher parce que, avec l'astuce, je dirais, votre imagination fertile, et avec par moments l'aide d'une consultation de gynéco, où elle prévient, je devrais partir avec mon partenaire, mais sachez que pendant longtemps, nous avons été dans la routine. Je prends l'initiative, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Et ça, c'est une bonne démarche de consultation. Parce qu'on va faire tomber certains tabous, à condition qu'elle s'exprime. Alors, c'est vrai qu'une consultation sur le sujet ne dure pas 5 minutes, c'est pas une pause de stérile. Et beaucoup se plaignent qu'on n'avance pas vite, mais elles imaginent que si elles rentrent sur ce sujet, il faut déjà entendre sa démarche, comprendre cette démarche, s'il y a plainte, l'enregistrer, même si nous ne sommes pas devant une table de police, mais c'est avec les éléments, le détail, que l'on peut lui donner une stratégie à avoir. Le masculin vient de plus en plus là-dessus. J'aimerais lui faire plaisir, alors on le dépersuade d'emblée qu'il ne pourra faire plaisir qu'avec son pénis. Juste lui prendre la main pour traverser la rue, devant le marché, elle va adorer, elle va frissonner, parce que l'habitude, c'est elle qui fait le marché, vous n'êtes jamais là. Lui reprendre de l'autre côté. Oui, mais ça, c'est quelle génération qui fait ça? Non. Jessica, toute génération. Vôtre, aujourd'hui, peut être enseignée de la sorte. Pour éviter, justement, enseigner de la sorte. Voilà. C'est-à-dire, au-delà d'une éducation à travers les godes, les bonnes manières. Pas besoin d'avoir vécu à la cour de Louis XIV pour pouvoir avoir de bonnes manières. Juste cela. Tu sais, oui, enfin, elle me tend un micro. Donc, un micro vibrant. À la prochaine conférence, la première conférence, il faudra faire la blague. Il faut bien amener ça. Je vous jure, tu sais, c'est une bonne blague. À des conférenciers un peu susceptibles. Mais moi, regardez, la personne est là comme ça. J'ai fait un TikTok comme ça. Avec vrai. Je chante dans le. Avec mais ça vibre fort, hein. Ouais. Ça. Alors, tiens, en fait, tu sais, j'ai posé la question à Ingrid. Ben, tiens, fais un petit coup de vibro. Ingrid. Comme on est dans les tabous et que tu as ramené tellement de bonnes choses et tu as ramené du gel qui sent trop bon, et comestible. Exactement. J'avais posé que le sujet d'hier, c'était pourquoi certains hommes et certaines femmes
n'aiment pas l'utilisation du préservatif. Mmh. Est-ce qu'il existe des produits, par exemple, pour les hommes? Parce que certains hommes ne l'utilisent pas parce qu'ils ont la fameuse réaction que lorsqu'ils commencent à mettre... Ils débandent. Ouais. Est-ce qu'il y a des produits pour ces personnes, pour qu'ils restent en érection? Et est-ce que pour les femmes... Parce que quand j'ai demandé aux femmes, à certaines femmes, pourquoi elles n'aiment pas le préservatif, elles disaient parce qu'il n'y a pas de sensation. Et je trouve que cette excuse me fatigue parce qu'en 2022, où les préservatifs sont de plus en plus fins, oui. Celles qui disent qu'elles sont allergiques au latex, il y a sans latex. Mmh. Donc, c'est, pour moi, c'est, tout est dans la tête. Ouais. Tout se passe dans la tête. Exactement. Est-ce que tu as des produits, par exemple, pour aider les personnes surtout qui les n'aiment hommes, pas le préservatif? Mais bien sûr, les hommes. Alors, je vais rentrer dans cette... Je vais te répondre à ta question. Oui, Ingrid. Et ensuite, on va voir Dr Daniel. Non, effectivement, nous avons dans la boutique, nous avons des produits, des sprays pour l'endurance et des crèmes, tout ça. Il y a tout ça, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, c'est des choses naturelles. Il est tellement durant qu'il ne veut pas s'éteindre. Ah, bon. Appuie fort. Enfin, appuie long. Donc, voilà, peut-être tu sais. Donc, il y a il existe des sprays, des crèmes qui sont effectivement pour l'endurance. Pour l'érection, voilà. Il y a l'érection. Il y en a qui sont mixtes, qui font l'érection, l'endurance, et aussi qui donnent plus de volume de sperme. Voilà, il y a ça, c'est déjà il y a ça. Après, tu as spécial sperme. Tu as aussi spécial, nous avons aussi spécial endurance et spécial érection. Okay. Il y en a des gélules, des comprimés qui sont instantanés, c'est-à-dire que c'est dans le moment précis que ça, voilà, on va dire une demi-heure avant, une heure avant. Il y en a d'autres qui sont, c'est comme c'est des compléments alimentaires, il y a des petits traitements de 15 jours, de 1 mois. Et des préservatifs ultra, ultra fins. Mm-hmm. Oui, ça existe. Oui. Ça existe. Oui. Nous savons ça aussi. Nous avons des préservatifs ultra fins. Nous savons aussi des milieux. Enfin, il y a tout. Okay. Mais nous savons ça. Qu'est-ce que tu en penses de ces personnes qui n'aiment pas le préservatif? Je vois que c'est plus agréable d'être peau contre peau. Ok. Le préservatif, c'est une barrière, néanmoins. Mais il y en a qui, de plus en plus, cette génération est habituée au préservatif et pose moins de problèmes que la génération antérieure. Parce qu'ils font l'amour, je dirais, un coup, et l'orgasme accompagné du stencile arrive par d'autres moyens. Les générations ont changé et c'est adapté aujourd'hui. Maintenant, le préservatif ultra fin, est-ce qu'il est testé dans sa résistance et sa barrière anti-MST, ça c'est encore autre chose. Mm-hmm. C'est ça l'intérêt. Savoir si c'est un réel préservatif de barrière et non pas simplement un jeu. À notre époque, nous avions des préservatifs avec un tortillon qui allait et donnait l'impression à la pénétration que c'était juste comme une chignole, comme une perceuse, que ça rentrait et ça sortait. Et on allait jusqu'en Suède pour l'acheter. Et il était réutilisable. Nous avions dans notre chambre d'étudiants plusieurs petites règles sur lesquelles chaque préservatif était étendu. Il n'y avait pas les mêmes maladies, Il n'y avait pas les mêmes maladies. Ah ouais. Donc mais c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus des lubrifiants, préservatifs. D'ailleurs, il y en a qui sont très demandés, il y a des billes, des granulés. Qui donnent une sensation de mouvement différent, soit de torsion en rentrant. Oui, tout est OK. Seulement, il faudrait déjà être d'une bonne connivence dans les relations, un bon échange, et qu'il y ait un petit peu de coquinerie au féminin. Une fois marié, très souvent, ça disparaît. Mm-hmm. Et c'est ça l'ennui. Mm-hmm. Et dans une relation nouvelle, ça passe. Une fois que l'anesthésie, l'asphyxie, que les principes sont placés un petit peu dans la relation, parce que c'est une routine qui s'installe, c'est dénaturé. Mais à chaque consultation, on leur demande des nouvelles. Enfin, on prend le pouls du couple et on demande un peu la météo de la relation. Et lorsqu'on évoque la chose, très souvent, c'est une consultation supplémentaire qui s'engage. Parce que le poète au niveau d'été, ou faire un frottis, bon, c'est passé de mode. Hein.
une consultation gynéco, moi je rassure toutes celles qui écoutent, devrait passer aussi par ces demandes. On leur demande de venir, ce n'est pas simplement pour renouveler la pilule. C'est tout simplement pour pouvoir leur porter des éléments. Or, Dieu seul sait si on aurait presque envie d'organiser un SAMU sexuel. C'est-à-dire pour leur expliquer comment ça se passe, répondre à leurs demandes, ben, presque à mettre un bureau. On ne va pas le mettre à Zouk TV, mais bon, c'est certain qu'on fait avec vous le boulot qu'il faut, avec, j'espère, beaucoup d'humour, pour libérer un peu la parole. Je peux vous assurer, elle est libérée de plus en plus au niveau masculin. Les types consultent pour anticiper par rapport à leur angoisse. Pas de performance uniquement, mais simplement l'érection. Parce qu'avec l'âge, on sait que les choses diminuent. On a peur d'échec. On est comme le vieux rat qui a pris des coups de tapette pendant toute une vie. Et bien, il est méfiant. Et toute méfiance pour le cerveau est complètement inhibitrice. C'est-à-dire le mec ne va pas bander. Et quand bien même il prendrait un facilitateur de l'érection, il peut se retrouver devant un échec parce que ça n'a pas marché. Il a trop souffert. Parce qu'il demeure fragile. Oui, voilà, c'est un réflexe. Donc il faut savoir l'entretenir. Donc Daniel, par rapport à tout ce que tu viens de dire, alors aujourd'hui, les femmes revendiquent le plaisir. C'est-à-dire que quand, par exemple, Jessica a parlé, quand on a parlé de taille de grosseur, c'est vrai que bon, on a souvent tendance à penser qu'un bon coup, c'est quelqu'un qui est bien fourni. Or, la taille n'est pas pour autant, ne garantit pas forcément le plaisir. La taille, la grosseur, en tout cas, ne garantit pas le plaisir. C'est une question qui est posée ou c'est un... C'est une affirmation. Non, je dis ça, que la taille, c'est une garantie. C'est l'utilisation. Mais il est vrai que quand on parle souvent, aujourd'hui surtout, on le voit même dans le milieu de la musique, dans le milieu par exemple de la pop musique qui a le vent en poupe, on a des filles où physiquement, alors là, c'est, on voit de tout, on voit, il n'y a plus rien n'est caché, mais hormis le côté visuel, donc est-ce que c'est fait exprès de tout montrer et qu'au final personne n'écoute la chanson, mais si on écoute. Elles veulent des orgasmes, elles veulent s'envoyer en l'air, elles veulent prendre leurs pieds, elles veulent faire sauter les tabous. J'ai presque envie de dire qu'elles veulent se dire que c'est quand on veut, quand on a envie. Elle veut se shooter, au-delà. Dire ça comme ça, c'est quand on veut, quand on a envie, prends-moi là aussi où je veux, quand je veux, dans la position dans laquelle je veux. Donc là, ça c'est une génération bien particulière. Je vois mal ma grand-mère faire ce genre de choses-là ou parler comme ça. Mais elle est venue récemment à la consultation, elle parle comme ça. Non, pas 84 ans. En fait, elle peut parler différemment, mais c'est les mêmes choses qu'elle désire. Alors, allez dans les EHPAD, voyez un peu le troisième âge, vous verrez un petit peu combien serait encore fertile leur imaginaire. Mais là où je veux en venir, c'est que quand tu parles de fragilité masculine, tu parles de fragilité masculine, en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est que les hommes, de par cette fragilité, de cette crainte, en fait, quand ils voient que là, ils ont une femme qui est déterminée, qui se dit « Ah ouais, moi, je suis prête, quoi. Voilà, j'assume des messages, j'assume que... » Alors, quand vous faites votre vaisselle, vous n'avez pas le même comportement devant un verre de capre qu'un cristal. Je suis persuadé, autrement, ce n'est pas la peine pour vous habiter dans une cuisine. C'est comme un éléphant dans un jus de quille. Un homme, c'est ça. Un homme, c'est une émeraude. Un homme, sa fragilité est dans le côté précieux. Ce côté précieux que vous avez pour vos bijoux, ce côté précieux que vous avez pour votre porcelaine, c'est ça. Quand vous avez l'honneur d'avoir un homme dans votre intimité, dans votre entourage, dans votre lit, il faut apprendre à s'en occuper. Et savoir que c'est un mérite. Attends, quand tu dis apprendre à s'en occuper, ouais. C'est-à-dire lui apprendre à s'occuper de la femme? Non, que vous appreniez à vous en occuper. Pour qu'il puisse d'abord tomber de ses craintes, tomber de ses angoisses, être rassuré, confiant de l'amour qui vous porte, que vous le méritez. Donc il faut savoir tout ça. Et de plus en plus, c'est qu'elle vient d'écrire là.
elle disait, elle veut se déchirer, se shooter comme si un mec, c'est un Goldmiché, c'est niette. Mm. D'accord. En espagnol, c'est no. D'accord. Et en français, c'est non. C'est non. Surtout qu'on peut se faire des films et puis... Et c'est ça le problème. Et bon, hein, des hommes consultent en disant, voilà, je me suis retrouvé avec quelqu'un, voilà comment elle se comportait, je n'ai eu aucune réaction. J'ai dit, mais c'est tout à fait normal. Elle vous a pris pour un robot. Mm-hmm. Elle pense que vous pouvez aller en Ukraine avec elle sans aucun problème. Oui, mais après, c'est vice-versa, docteur. Oui. Hein. Donc, refuser un peu... Il y a aussi des hommes qui ne s'occupent pas des femmes. Pardon ? Il y a aussi des hommes qui ne s'occupent pas des femmes. Non, mais c'est simplement non, lui expliquer qu'il ne mérite pas de pouvoir se galvauder un petit peu ce qu'il a de précieux. Pour simplement être là comme un cow-boy. Non, mais j'ai pas dit ça dans ce sens-là. Non, mais je vous rassure d'emblée, pour qu'on n'ait pas d'ambiguïté sur ce plan-là. Mais c'est vrai que il y a une communication qui est nécessaire, mais il y a une incompréhension qui demeure. Et cette incompréhension, on veut la faire tomber de plus en plus. Autant sur le plan physiologique, on n'est pas dans d'une égalité. Aujourd'hui, ça, c'est politique. Ça, c'est des conneries. Il y a toujours une complémentarité et ça a été créé au plus beau jour, c'est-à-dire de la création. Quelque chose qui rentre dans quelque chose pour qu'il y ait, je dirais, une harmonie. Et si on sort de là, c'est qu'on nous a eu. Donc au féminin, il y a un rôle, il y a une physiologie. On n'est pas dans les choix des prénoms, ni dans le choix des vêtements. Simplement de savoir qu'on est dans une complémentarité. D'ailleurs, même dans les relations homo, féminines, il y a toujours un qui essaie de jouer le mal. Mm-hmm. Dans son accoutrement, dans sa façon de faire. Mm-hmm. Ah ouais, oui, je veux bien. Mais le côté féminin, nous l'avons aussi. Cette tendresse, cette sensibilité, cette envie de découvrir notre corps, je dirais, comme un désert inexploité. On n'est pas qu'un pénis. Donc, apprenez ces choses tout en ayant dans votre valise tout ce que vous pouvez pour pouvoir vous booster, monter au plafond. Le problème, ça peut devenir une drogue. Et quand cette drogue s'installe, eh bien, il vaut mieux être ouvert 24 heures sur 24. Hein, parce qu'effectivement, c'est le seul moyen de suppléer à ce manque-là. Tandis que lors d'une consultation ou lors tout simplement d'une visite dans une boutique, je la crois capable de faire ça, c'est de pouvoir prendre l'individu dans son profil, dans son côté humain, et non pas dans le côté machine qu'elle vient de décrire, elle se déchaîne, elle s'y suit, je veux bien. Hein. Ce côté machine, à s'envoyer monter, de ce point-là, elle se peut dégager. Ça, c'est du scénario. Mm-hmm. Juste, le film, il y a toujours un bug à un moment donné. Ouais. Et ce bug-là, on est pour revenir à l'incohérence. Le tabou fait partie de la cohérence, on a quitté la cohérence. Mais tu n'as retenu que ça, puisque en fait, j'ai parlé de la notion qu'elle revendique le plaisir. Donc, j'ai parlé du plaisir. Je fais exprès. J'ai parlé de l'orgasme. Bifurqué, parce que. Daniela a expliqué que l'homme n'est pas un objet de désir, ni un objet pour donner du plaisir. Et il y a une chose qui est taboue chez les hommes, c'est leur part de féminité. Ils ne veulent pas exprimer ça. Qu'ils ne peuvent pas exprimer parce qu'on leur a donné. D'accord. Dans les temps les plus reculés, la place pure et simplement de l'étalon. Ok, d'accord. On voudrait abandonner ça. Mais aidez-nous, prenez-nous par la main. Tant que l'amour n'a pas équilibré, sa part de masculinité, sa part de féminité... Il n'y a pas revendiqué. Non, mais tant qu'il n'aura pas équilibré ça, il ne pourra pas avoir une relation harmonieuse avec une femme. Donc, nous sommes quatre femmes sur le plateau. Mais c'est pour ça que je suis contente de vous enseigner un minimum. Je vais poser une question. Je pense que vous avez toutes autour de vous entendu des hommes qui disent que je n'arrive pas à la faire arriver à l'orgasme. Et il rajoute derrière, je n'arrive pas à la faire jouir. Bon. Donc, je n'ai pas fini. Donc, derrière ça, si vous entretenez une conversation très amicale, oui, mais qu'est-ce que tu entends par organe, faire jouir? Pourquoi? Oui, parce qu'elle ne tremble pas, elle ne crie pas, elle ne fait pas des trucs bizarres. Parce que pour lui, pour beaucoup d'hommes, je ne fais pas une généralité, mais certains hommes pensent que le plaisir, c'est crier en mouet. C'est que tout leur corps tremble comme si tu as Parkinson. Donc, pour eux, c'est ça, l'orgasme.
Donc, c'est ça aussi, la notion de plaisir, c'est quand elle crie en mouet. Donc, c'est ça, prendre du grimper plaisir. Grimper au rideau, c'est ouais. ça. Oui, mais Carissa, ça a double tranchant. Parce que ce n'est pas mieux. Elle peut simuler. Ce n'est pas mieux. Elle peut les simuler. Femmes, oui, elle peut crier en mouet et oui, simuler. Mais regarde, ouais. les femmes qui mais simulent. Mais qui est le lien de la tu force sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi que certaines femmes simulent? Certaines femmes simulent pour flatter l'ego de l'homme, déjà. Mmh. Ça, certaines, ça, mais oui, ça, c'est l'amour, ça c'est l'amour, ça c'est l'amour. Elles n'ont pas tort, hein. Comment? Parce, elles n'ont pas tort, parce que c'est important. Mais si l'individu qu'elle fréquente a l'intelligence de comprendre, pour l'accompagner, elle regrettera de n'avoir pas rencontré plus tôt. Ça c'est vrai. Parce qu'elle joue tout simplement son scénario. Mais est-ce que tu sais que c'est pas c'est elle le dédon de la force. Ce n'est pas bon, parce que regarde, quand elle simule. Elle peut bien simuler, hein, parce que si oui, on lui explique comment ça se passe, ça n'est pas de problème. Hein. Mais je suis une femme, je ne dis pas que je simule, mais pour qu'une femme simule, vous imaginez tout ce qu'elle fait, gestuelle, mimique, gémissement. Non. Oui, parce qu'il faut faire semblant. Non, ça c'est l'alphabet. Ça c'est le papillon. Mais alors, est-ce que, à votre avis, lorsqu'une femme fait ça, on est d'accord? Qu'elle lui fait croire que c'était bien, que c'était bon, ok? Oui. Mais pourquoi, lorsqu'elles ne sont plus avec cette personne, là, elles veulent dire « Ah, j'ai pas aimé, j'ai... » Donc, en fait, tu avoues que tu simulais, parce que comme tu étais amoureuse et que la personne te plaisait, tu faisais semblant de flatter son ego, ça, c'est pas bien non plus. Non, c'est votre part d'honnêteté. Mais bien sûr, ça c'est malhonnête. Non, c'est sa part d'honnêteté. Quand elle fait comme ça, c'est qu'elle est dans un rapport qui lui plaît, c'est déjà une chose qu'elle ne voudrait pas s'en séparer. Il lui reste comment l'accompagner pour convaincre l'autre. Et puis mieux le garder. Ouais. Alors pourquoi convaincre ne pas l'autre dire au lieu de simuler, non, ça c'est pas bien. Parce que si vous lui dites, il revient à son histoire de mal qui n'est pas à la hauteur. Il y a une façon de lui expliquer. Donc l'amener, elle, à savoir comment se découvrir, comment s'accorder, pour reprendre des termes musicaux, et à ce moment-là, elle sera beaucoup plus à l'aise. Donc, vous êtes d'accord pour la simulation? Non, elle va simuler, mais si elle a la chance, en tout cas. Si elle a la chance d'être enseignée différemment, elle va comprendre qu'elle sait déjà jouer. On parle de l'homme, c'est-à-dire que... Elle simule. Que la femme arrête de simuler, mais comment vous dire... Alors, comment... Faire passer le message. Faire passer le message et arrêter de simuler. Ah ben oui. Mais il faut d'abord se passer le message à elle, au lieu de simuler, qu'elle apprenne son corps pour savoir ce qu'il lui faut. Dans la tonalité, dans les gestes, dans ce qu'elle veut entendre, surtout aussi ne pas entendre, parce que le silence n'est pas un moment très lourd. Vous avez un partenaire masculin qui l'a beau comme un âne, c'est certain que ça ne va pas être très parlant pour elle. Donc lorsqu'elle s'exprime et qu'elle dit déjà ce qu'elle aimerait, on peut déjà avoir le bout du chemin, le début du chemin. Si elle se découvre pour s'accorder, c'est important de comprendre. Chaque individu, vous prenez le Kama Sutra, c'est pas parce que vous êtes à la page 3 que tout le monde dégage à ce moment-là que vous n'êtes pas obligé d'aller à la page 50 pour trouver votre bonheur. Chaque individu, matraqué par tout ce que la société impose, tout ce que l'éducation a créé d'ambiance à asphyxier, à anesthésier, parce que c'est pas commun de parler de sexe. Ben, si cette dame arrive, je dis pas sur le marché de l'emploi, mais sur le marché de la drague, c'est certain qu'elle sera difficile, elle sera obligée de faire avec, faire semblant, mais si elle découvre qu'elle peut déjà commencer par elle-même, elle ne va pas passer d'homme en homme pour chercher le meilleur macho. D'abord, revenir à elle-même, la calmer, plutôt que d'aller courir la gueuse et de pouvoir trouver le gars bien monté qui sache faire, non. D'abord, le gars qui sait l'écouter et à qui elle pourra, avec confiance, exprimer un petit peu son désir. Et même l'amener à faire du scénario pour lui dire, mais regardez, j'aime tellement faire ça. Regardez, faites juste faire ça. Voilà. Juste ça. Ça met un peu d'âme, ça met un peu de cœur, ça met un peu d'amour, ça met un peu de respect. Tandis que Dieu, mais tu m'as pas fait jouer, hein. Dieu m'a encore joué, quoi. Mais parce que vous êtes sauvage par moment. Et puis ça dépend, le mec d'apprendre, il a peur. Parce qu'on arrive à son réflexe. C'est la honte. Je leur demande de ne pas avoir honte, parce que c'est de sa faute. D'accord. Mais il a peur de ne pas être à la hauteur.
Mais simplement, s'il sait réagir à cette démarche, parce qu'on est dans un film, je vous dis, la vie, c'est un film. Il y a toujours un bug à un moment, mais si cette incohérence est de tout bouleverser pour arriver à quelque chose de standard, si on n'est pas dans l'incohérence, on n'a rien à raconter de joli. L'incohérence permet de raconter de belles histoires. Et fort de ça, il faut être conscient que nous sommes tous chargés de cette incohérence. Prenez le gamin qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui dit n'importe quoi. Tout le monde rit. Il dit, ouais, mais c'est des gamineries. Mais l'adulte a peur de prendre ça à son compte parce qu'il ne voudrait pas être reconnu comme n'était pas dans le standard. La vérité sort de la bouche des enfants. Mais ça, c'est un comportement inné. C'est-à-dire, il est ancré en nous. Et toute notre vie, nous devons être dans ce cadre de l'incohérence et du cohérent. Et c'est cette incohérence-là qui nous permet de nous éclater, parce qu'il y a quelque chose de lumineux, une part d'entreprendre, quelque chose qui nous permet non seulement de savoir nos limites, de marcher sur d'autres chemins, hors des sentiers battus, mais merde, ça permet de raconter ou se raconter une bonne histoire. Et ça, c'est important. Lorsqu'on arrive à faire passer ce message chez une femme, je répète lors d'une consultation, parce que je ne suis pas dans la rue, et encore, par moments, en dehors de ces conférences-là, quand quelqu'un m'accroche après vous avoir vu autour de la table, c'est dans un coin de supermarché qu'on prend la conversation. Pourquoi ? Parce que c'est juste l'histoire. Parce que la cohérence ne colle jamais au réel. Jamais. Il colle tout simplement à l'histoire de ce que ça vous fait. Donc il faut la remettre dans les faits. Et si la chance est, c'est lors d'une conversation, un échange, d'une consultation, c'est vrai qu'on va plus l'accompagner à revenir en elle-même. Et pas chercher le bon pianiste. Richard, sur un piano mal accordé, il n'y fait rien. Vous êtes sûr, sauf si c'est du playback. Vous êtes d'accord ? Mais à la limite, dans la relation, dans un pieu, il faut que le mec soit, je dis, à la hauteur, mais pas forcément à la hauteur de sa bande. La bande est secondaire. Vient en troisième position toutes les ustensiles. C'est un accompagnateur, c'est un outil. Doit faire un effort aussi. Il n'y a pas d'effort à faire, non, il faut la remettre dans son naturel, oui, ça doit être à lui naturel. Permettre de se comprendre. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Celles qui racontent leurs histoires par moments blagues, comme des mecs qui disent avoir bandé tout un après-midi. En fait, ils ont vu trois matchs au cours de l'après-midi et ils ont juste tiré un coup pendant une heure. Donc dans ces conditions, on l'a ramené à elle-même. Lui demander, mais est-ce que vous vous êtes déjà exploré? Vous sentez que la conversation se bande un peu? Ou non, mais j'ai un partenaire à rôle. Mais si votre piano est mal accordé, ça ne va pas marcher. Si vous avez été meurtri par des freins religieux, par exemple, histoire de par rapport avant mariage, parce que c'est de la fornication, il faut m'avoir une bénédiction, dire amen, alléluia, et puis que Dieu vienne rapporter un peu l'orgasme, on parle de l'orgasme, hein. L'orgasme ne vient pas comme ça, hein. Même l'amour, même aimer, ne fait pas bander. On doit le considérer comme étant un luxe de pouvoir faire l'amour avec celle que l'on croit aimer, ou que l'on croit aimer au masculin. Donc revenir en vous-même pour chercher qu'est-ce qui vous bloque ? À quel niveau vous êtes bloqué ? Par votre éducation ? Par vos antécédents ? Par une relation qui a été mal foutue et qui vous a carrément pété ? Vous en sortez meurtri. Et fort de ça, vous revenez dans cette situation. Oh, l'amour a horreur du passé. Toutes les merdes que vous avez, masculin ou féminin, le mec qui bande pas, par exemple, et qui a souffert d'une relation qui était ingrate, qui était tout simplement parce qu'il y avait une montre religieuse sur son doigt à la limite, ou quelqu'un qui considérait qu'elle était matrone comme la mère, et que le gars était un gamin à la maison. Lorsqu'il sort de cette relation, c'est déjà un signe de quoi? Mais il va sortir blessé, meurtri. Il faut le reconstruire. Mais la femme qu'il va retrouver n'est pas une béquille. C'est pas lui qui devra, c'est pas elle qui devra servir de psychologue. Quoi? Non, c'est qu'il vient de dire que la femme n'est pas une béquille, qu'elle n'est pas, là, pour, elle n'est pas là pour penser. En fait, contre, faut les pas les pensées, les histoires. Exactement. Donc il faut la ramener. Et si elle ne se touche pas, mais pas d'emblée aller prendre un jouet, puis le mettre juste à ce niveau-là. Mais pendant se regarder dans le miroir, il se dit, mais c'est vrai que je mérite d'être aimé. Mais merde,
C'est déjà ça qui est important. Et ne pas simplement se déguiser pour pouvoir paraître juste en sortant sur le pas de la porte. Il y a justement un gros tabou sur ça. Les femmes ne se regardent pas. Elles ne regardent même pas leur intimité. C'est-à-dire qu'elles ne savent même pas comment elles sont faites. Elles se regardent dans le miroir des autres. Mes amis, nous sommes à 10 minutes de la fin de l'émission. Mais il faudrait continuer cette émission parce que je suis persuadé que ça peut être instructif. Mm-hmm. Juste avant les vacances, on reprendra pour une année nouvelle de bonnes résolutions. Tout à fait. Ah ben parfait. Bon, on ne compte pas les heures parce que c'est important de comprendre. Et on ne compte même pas les appels. Parce que s'ils sont à l'écoute, j'espère qu'ils soient passionnés. Mais les questions viendront après. Oui. Alors, Ingrid, donc la boutique d'Idyl, donc à Schœlcher. Alors, donc, par contre, tu nous fais une découverte qu'avec de super beaux maillots de bain. Si, parce qu'Idyl, c'est aussi de la lingerie, donc, les maillots de bain. Voilà, je ne sais pas si les garçons ont pris la photo du maillot de bain. Oui, Je ne sais pas quelle caméra pour montrer le maillot de bain. Je pense qu'ils sont. J'espère qu'il y a deux garçons à la technique. Il est très beau, hein. Alors, celui-là. Le rose et le léopard. Voilà. Ils ont pris la photo de l'autre. L'autre, qui n'est pas mal non plus. Ah, voilà, il est très beau. Vous autres mettez des baguettes à bord. Il y avait des cailles. Alors, quand vous portez ces ustensiles, je vois qu'il y a beaucoup de choses alléchantes pour stimuler le mec, mais est-ce que vous pensez dans votre panier, hein, parce qu'il a fallu un gros panier pour amener tout ça, ce qu'on peut nous porter à nous pour nous mettre en confiance? C'est vrai, les ramasser. En dehors. Ouais. Si, il y a tout ça, tu avais déjà amené une fois, j'avais amené les slips, tout ça, hein. String, voilà. Pour rassurer le gars. Mais si, il y a tout. Ouais. Hein. Pour vous aussi, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'il faut aller regarder le site. Il faut au moins regarder le site. Parce que nous sommes remplacés par tout. Nous sommes remplacés par tous ces vibreurs. Hein. Il y a beaucoup le mec qui n'est pas là, on lui donne un vibreur et puis ça va. On remplace jamais un homme. Donc Ingrid, donc oui, je suis désolée, je me laisse un petit peu perturbée par les très très beaux maillots de bain qu'elle a emmenés. Alors donc c'est vrai que la boutique, elle est à visiter. Hein. Comme j'ai dit, c'est un petit, moi j'y suis allée plusieurs fois. Tu as pris quoi hein? Alors donc moi j'aime bien parce que bon je veux pas parler trop fort mais bon j'ai une petite boîte cachée chez moi, la boîte magique. Alors c'est vrai que c'est valise, pas une petite valise. Non, c'est pas une valise, c'est une petite boîte si vous l'ouvrez. C'est celle qui est cachée à gauche là. Ça en bac à bonne, non. Alors quand on peut pas tout dévoiler, mais bon c'est vrai que c'est à gauche, c'est bizarre ça. Effectivement, c'est vrai que non, c'est vous savez qu'il dit, vous avez plus de 4000 références sur le site et que nous avons aussi la boutique en France. Donc voilà, donc vous pouvez commander sur le site, livraison coursier, Colissimo, vous pouvez récupérer sur place aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le site. Et donc, comme tu viens de dire, si vous voulez être dans la plus grande discrétion, vous ne voulez pas qu'on sache qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, il suffit tout simplement d'aller sur le site. Exactement. Je vais l'inviter à la consultation dans la salle d'attente. Elle verra à la limite. Faire quoi? Mais pour qu'elle fasse son bonheur de présentation. Mais avec plaisir. C'est vrai que tu proposes beaucoup de jeux érotiques, des jeux de cartes. Donc moi, j'ai joué à la roulette russe, ce que je trouve qui est super génial, super marrant. Donc c'est vrai que blague à part, pour pimenter un petit peu des fois le couple ou bien même des soirées entre amis, hein, c'est très coquin, c'est très coquin. Comme une carte, et il y a des jeux un petit peu. À quel poste je vais faire ce soir? Ça y est, vous êtes en vacances, vous jouez aux cartes, vous n'écoutez même plus ce que je dis. Voilà, quand Emmanuel Granier n'est pas là, c'est ça tout part en plus. Vie, hein. Alors, c'est quoi? C'est quelle position? Un cuni debout. Oui. Waouh. Il faut que le gars, il n'ait pas des problèmes de lombaire, pas de problèmes de cervical. Non, pas de problème de lombaire, de problèmes de cervical d'abord. Ouais, voilà, si lombaire se porte bien. Il faut qu'il soit souple. Hein. Si lombaire se porte bien à ce niveau. Donc et il ne faut pas qu'il soit en surcharge pondérale. En fonction de l'âge, ça. En fonction de l'âge. Il faut avoir une hyperextension. Donc, si on a 34 ans, ça va? Savoir soulever le genou défaillant. Oui, et poser celui qui est le moins malade. Exactement. Après, il y a des petites techniques. Hein, exact. Tu mets ça sur table. Vous ne ciblez pas une tranche d'âge par hasard. Là. Non. Mais vous n'avez pas en visuel qui que ce soit d'accusé. 20 ans, 25, 30.
Donc, j'ai un petit coucou à Ah, ben vas-y, j'ai un petit coucou à faire. Alors, je souhaite de très bonnes vacances à Patrick Saint-Aimé. Ok. Bienvenue chez toi. Amuse-toi bien. Je t'ai promis une randonnée, donc je ferai de mon mieux. Bien sûr, après les yoles, hein, qui te m'ont fait semaine yoles moins avant. Ah, ouais, par contre, ça c'est bien marqué. Ingrid, vas-y. Alors d'un coup, vous avez vu que nous avons des beaux, des très très beaux maillots de bain. Oui. J'ai dit. Alors si vous y en a qui veulent profiter, sachez que dimanche, nous avons une journée à l'hôtel Amiris où il y aura un défilé des maillots de bain. Et donc l'Algérie sera en promo. Oui, oui. Et il y a cette journée spéciale voilà. Yule. Exact. C'est ça. Donc ouais. C'est spécial vacances. Je viens pour venir. Il y aura... Et Sylvia, qui sera avec nous. Oui, je propose voilà. Un atelier graines de conscience. Graines de conscience, oui. Plus précisément. Il y aura aussi de la musique, de la salsa, tout ça. Hein. Donc, il faut venir, ça va être très sympa. Dimanche. Jessica, avec toi, tout de pas. Oui, t'inquiète. Il y aura de la salsa, Développement personnel. Voilà, il va y avoir plein de choses. Et l'Angélie sera en promo. Okay. Donc, dimanche à l'hôtel Amiris. Alors, donc, comme je vous disais, effectivement, je suis vraiment désolée parce qu'on va couper sur vous d'une manière un petit peu brutale. Oui, j'en comprends plus. Assez coupé. Alors, Sylvia, merci beaucoup. Ingrid, on se retrouve à la rentrée. À la rentrée. On va essayer de revenir un petit peu plus tôt. Donc, je crois qu'on reviendra dans la troisième semaine du mois d'août. Mm-hmm. Et alors, Ingrid, merci beaucoup à toi. Faut le dire franchement que Ingrid, la pauvre, elle arrive les mains pleines et elle repart les mains vides ici. Sachez qu'on va voilà, c'est ça. Elle se fait toujours dépouiller. Après les caméras, on aura les ventes. Jessica, alors, oui. Nous a fait découvrir une bière à base de CBD. Très, très bon, très, très bon. C'est excellent, Sylvia. Ah ouais, elle s'est lâchée sur la bouteille. Donc, en tout cas, c'est très, très bon. J'ai adoré. Daniel, merci beaucoup pour nous avoir éclairé, aiguillé, guidé. Instruit. Voyez comment il est. C'est vraiment l'homme, quoi. Il ne laisse jamais la femme finir. Et après, on va dire que c'est nous les femmes. Mais parce que vous êtes insatiable. Hey, c'est une série que je regarde en ce moment sur Netflix. Insatiable. En tout cas, merci à vous. Formidable plateau. Vous connaissez le proverbe arabe. Ouais. Non. Trois choses sont insatiables. Ah oui. Le désert, la tombe et la vulve d'une femme. Alors, sur ces mots, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Prenez bien soin de vous. Protégez-vous. Poté, chapeau, panier, bobo, et toujours d'actualité. Et puis, éclatez-vous. Le plus important, c'est que vous soyez heureux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.